Dieu est grand. Ceux qui veulent une bouteille d'eau, levez la main, comme ça on pourra vous la porter. Dieu est grand. Reviens à notre maître. Père, Joshua, nous bénissons ton nom, Seigneur, qui est élevé au-dessus des cieux. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te dire un grand merci parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te confions toutes nos pensées, nous te confions nos cœurs. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. En ton nom, Yeshua, nous prions. Amen. Nous voulons recevoir les personnes qui sont venues pour la première fois. On veut vous recevoir, ceux qui sont assises. Est-ce que vous pouvez vous lever afin que nous vous recevions? Il y en a qui sont debout. Soyez les bienvenus chez vous. Waouh! Alléluia! Gloire à Dieu! Dieu est grand en tout temps. Il a mis ce chant. Dieu est grand. À travers la nuit. Dieu est grand.
de chez vous. Il y en a qui sont venus de Strasbourg. Voilà, nous sommes vraiment très très contents de vous recevoir. Et d'autres sont venus de Belgique, la Belgique, l'Allemagne, d'ici et là. Et voilà, nous sommes vraiment dépassés par tout ce que Dieu accomplit. Nous ne comprenons plus rien. Et c'est vrai que on nous disait à chaque fois que Dieu est grand, mais plus les jours passent, plus nous nous rendons compte qu'il est vraiment insondable. Tout à l'heure, il y a un homme pour qui on a prié au nom de Yeshua, samedi dernier, par rapport à un problème de la prostate. C'est un frère près de la prostate. Et on a prié simplement au nom de Yeshua. Et tout à l'heure, il est venu me voir pour me dire que bon, ben, il n'a plus rien. Jésus est particulièrement, spécialement particulier. Il est hautement haut, longuement long, profondément profond, largement large. Non, mais c'est quelque chose. Il ne cessait d'uriner, et puis là, ben, du coup, plus rien. On se dit, mais Seigneur, mais est-ce que c'est un rêve? Non, ce n'est pas un rêve. Voilà, c'est la réalité. Qui est étonné? Ben forcément. Hein. Même les anges sont à chaque fois émerveillés devant la grandeur de notre Dieu. Il est grand. Et puis il me disait que son fils, qui était alcoolique, drogué, ben il n'y a plus rien. Tout est parti. Est-ce que cet homme peut-il venir? Est-ce que c'est possible? Je sais qu'ils sont dehors parce que, voilà, ils sont assis là-bas. Si on peut les faire signe. Et voilà. Dieu travaille. Pendant que les chiens aboient, la caravane passe. On nous donne plusieurs identités qu'on n'a pas. Enfin bref, on bénit Dieu. Je crois que c'est la distraction par rapport à tout ce que Dieu fait. On n'a pas le temps à cela. C'est de la publicité gratuite. Voilà. On peut vraiment acclamer le Seigneur pour cette famille que Dieu commence à restaurer. Venez. Voyez, même le visage de cet homme a changé. Qui a remarqué cela ? Par rapport à samedi dernier. Regardez. Le Seigneur est trop fort. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, on n'entend rien. On n'entend rien, s'il vous plaît, le son, équipe. Oui. Oui, j'avais tendance à piquer des crises et là, ça s'est calmé. Là. Voilà, alléluia. Tu piquais des crises avant? Des crises parce que j'étais confronté à des forces spirituelles, en fait. Ok. Donc, je ne supportais plus, puis j'étais en crise après. D'accord. Et là, ça va mieux. Là, ça va beaucoup mieux. Ouais. Alléluia, gloire à Dieu. Merci. Et vous aviez quoi comme problème? La prostate. D'accord. Depuis combien d'années? 3 ans. 3 ans. Et là, maintenant, depuis samedi? Impeccable. Impeccable. Alléluia! Gloire à Dieu. C'est bon. On va se voir à la fin. Alléluia. Il a reçu une nouvelle prostate, là. Voilà. Une opération instantanée, gratuite. On nous a caché Jésus-Christ de Nazareth. On nous a présenté un évangile complètement tronqué. Voilà. Dieu travaille. Ah oui. Qui d'autre a reçu une guérison de la part du Seigneur? Il y en a beaucoup que le Seigneur a guéri. Oui, jeune homme? Tu as été guéri par le Seigneur? Viens me voir alors. Alléluia, gloire à Dieu. Alors dis-moi, comment tu t'appelles? Yarick. Yarick, qu'est-ce que s'est passé? Ben, en
En fait, j'avais un problème des yeux. D'accord. Et après, ben... Et tu les as plus. Ouais. T'as plus de problèmes. J'ai prié et après, ben... Jésus t'a guéri. Oui. Alléluia. Tu aimes Jésus? Oui, je l'adore. Alléluia, tu l'adores. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est magnifique ça. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à tous les enfants qui sont là, qui sont malades, qui aimeraient bien être guéris comme toi? Que il faut prier et il vous soignera et il voilà. Faudra continuer. Allez, il faudra continuer, effectivement. Gloire à Dieu. Mais bon courage, mon grand. Voilà, c'est parfait. C'est simple, hein? Il faudra prier. Ce n'est pas écrit qu'il faut donner une offrande. Voilà. Vous savez que ceux qui nous combattent, notre combat, c'est lié au message que Dieu nous a donné à apporter. Ça dérange. Les boutiques se ferment de plus en plus. Et ce n'est que le commencement. Hein? Je vous dis, il y a un tsunami spirituel qui se met en place là. Je vous dis, c'est ce que je ressens dans mon cœur. Parce que dans 5 mois, on arrête les programmes ici. Mais après le 19, le tsunami va encore s'accroître. Et je vous assure, vous allez voir beaucoup de pasteurs, ils vont faire la queue devant le pôle emploi pour s'inscrire, pour chercher du boulot. Je vous dis, parce que beaucoup de chrétiens voient clair maintenant. Ils sont éclairés. Ils sont éclairés. C'est fini. On n'a plus de temps. Vous savez, ce lundi, je crois que c'était ce lundi, tôt le matin, vers 6 heures, j'ai eu une vision pendant que je dormais. J'ai vu plusieurs horloges, beaucoup d'horloges. Et il y en avait une devant moi. Et j'étais poussé vers elle. Et j'ai vu qu'il était minuit moins 5, ensuite minuit moins 3, c'est-à-dire 23h57. Et j'ai vu ensuite des lumières tomber du ciel. Et ces lumières étaient suivies des anges. Les anges étaient nombreux. Et j'ai vu Yeshua, notre Seigneur, descendre. Il descendait pour chercher l'épouse. Et quand je me suis réveillé, j'ai vraiment compris qu'on n'avait plus de temps. Que le maître est à la porte. Et regardez dans Éphésiens chapitre 5. Comment? C'est le... Vous venez de le partager, ouais? Ah ouais? Gloire à Dieu, ouais, ben c'est ça. Hein? C'est le même esprit, alors. Éphésiens chapitre 5. Juste le verset 16. Est-ce que tout le monde pourra-t-il le lire à haute voix? Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? On peut y aller. 1, 2, 3. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Voilà. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Est-ce que quelqu'un peut-il me dire que signifie racheter? On le sait, mais j'aimerais bien quand même entendre quelqu'un nous l'expliquer rapidement. Hein? Comment? Récupérer. Ok, récupérer. On ne peut racheter que quelque chose qui t'appartenait. Nous sommes d'accord? Ok. Il est dit que le Seigneur nous a rachetés. Pourquoi? Parce qu'avant, on lui appartenait. Avant la chute de l'homme, Adam avait été créé fils de Dieu. À cause du péché, il a perdu cette identité de fils. Et par la suite, Dieu va s'incarner pour le racheter. D'accord? Donc, si Paul, ici,
dit, demande aux chrétiens, bien sûr, poussés par l'esprit, de racheter le temps, cela signifie que le temps leur appartenait. Le temps appartenait aux hommes. Et effectivement, ce temps-là, c'est quoi exactement? C'est l'éternité. L'éternité nous appartenait. L'éternité, comme vous le savez, est un temps, n'est-ce pas, infini, indéfini. C'est une période qui ne s'arrête jamais. Et justement, Paul nous demande de racheter le temps. Car les jours sont mauvais. Toutes les choses que nous les faisons en fonction du temps. On le sait. Le matin, quand nous nous réveillons, la première des choses que nous faisons, c'est quoi? On regarde le temps. Il y en a, ils ont leur réveil bien réglé. Chaque jour à 5 heures, ça sonne. D'autres 6 heures, 7 heures, 8 heures, je ne sais pas. Et il y a deux choses que nous regardons. Nous sommes liés à deux choses. Ces deux choses ont un rapport avec le temps. C'est l'horloge, nos montres. Et également le calendrier. D'accord? On est lié à ces choses. On regarde tout le temps ces choses, même par rapport au programme ici, pour venir ici. Vous avez eu à regarder le temps. Voilà. Eh bien, dites-vous également que Dieu aussi a un temps. Il a arrêté des choses, des programmes qui doivent se réaliser à des époques bien définies, bien arrêtées. Et il y a deux types de temps. Le premier temps, c'est le temps ou la durée de notre parcours terrestre. Et Psaume 90 nous dit que la durée d'une vie terrestre est de combien? 70 ans, et pour les plus robustes, c'est 80 ans. D'accord? Ceux qui vont au-delà, ils ont vraiment une grâce. Donc, ça on le sait, vous le savez, si vous avez 60 ans, selon la Bible, il vous reste 10 ans de vie. Je ne veux pas nous choquer. Alléluia! Ok. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Il veut déjà nous expédier à la tombe? Non, ce n'est pas moi qui le dis. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes dans Psaume 90, justement. Nous lisons à partir du verset 9. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère car ils passent vite et nous nous envolons. Waouh! Donc, je disais bien qu'il y a deux types de temps. Le premier ici, c'est le temps de notre parcours terrestre. Nous sommes missionnaires, voyageurs sur la terre. Et je voudrais nous rappeler, parce qu'on a tendance souvent à l'oublier, qu'à chaque fois que ceux qui fêtent, par exemple, leurs anniversaires, à chaque fois que vous soufflez sur vos bougies, vous devez vous dire que c'est comme ça aussi que Dieu va souffler sur la lampe que nous sommes, que vous êtes. À chaque fois que vous soufflez sur ces bougies, dites-vous que vous, au lieu de vous réjouir, vous devez au contraire vous poser les bonnes questions parce que vous vous rapprochez un peu plus de la tombe. Donc, nous faisons un voyage que j'appelle un voyage tombal. D'accord? De la naissance à la tombe. C'est un voyage. Et tout au long de ce voyage, il y a beaucoup de turbulences, des zones de turbulences, d'accalmie, tout ça. Si tu as 50 ans, il te reste 20 ans. Alléluia!
Alors, ne dites pas que, ne dites pas oui, non, mais moi j'ai 20 ans, donc j'ai encore du temps. Non, il faut aussi faire attention parce qu'il y a beaucoup d'aléas, hein, les aléas de la vie. Tout peut arriver. Vous avez vu tous ces avions qui tombent? Ces gens-là, il y en a parmi eux, ils sont très jeunes, hein, ils étaient très jeunes. Voilà. Alors, il est dit aussi dans Psaume 39. Psaume 39, j'aime beaucoup ce passage. Nous lisons à partir du verset 4. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Yahweh, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Tout homme, oui, tout homme debout, n'est qu'un souffle. Voilà. Dieu, dis-moi quel est le terme de ma vie, quel est le nombre de mes jours. C'est important de le savoir. Alors, le deuxième temps, c'est le temps de Dieu. Le temps, n'est-ce pas, prophétique. Et dans ce temps prophétique, nous avons, n'est-ce pas, les derniers jours, on en a parlé à la télé, et le temps des nations. Nous avons aussi, n'est-ce pas, le jour du Seigneur, le jour de Yahweh, le jour où Dieu va intervenir ouvertement pour mettre de l'ordre dans les affaires des hommes. Et la vision que le Seigneur m'a donnée est une vision prophétique. Et je vous assure qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont appelé pour dire, mais frère, on a eu la même chose. Cela veut dire que dans le temps de Dieu, minuit correspond à l'apostasie. Minuit correspond, mes amis, à l'apogée du péché. Et regardez bien dans Matthieu 25. Regardez bien, écoutez bien l'enseignement. À quel moment, à quelle heure de la nuit, l'époux était intervenu? À quelle heure? À minuit. Maintenant, vous allez me dire, mais oui, mais le Seigneur a dit que personne ne connaît ce jour. Je suis d'accord, c'est écrit. N'allez pas non plus commencer à calculer, ça fait moins 3, ça fait combien d'années? Ce n'est pas ça, parce qu'on ne le connaîtra jamais. Mais simplement, Dieu nous fait comprendre qu'il est presque minuit dans son horloge. Et c'est terrible. Pourquoi minuit? Pourquoi Dieu va-t-il intervenir à minuit? Pourquoi l'époux va-t-il venir à minuit pour prendre l'épouse? Il y a plusieurs raisons. La première, quand on regarde sur le plan humain, minuit, n'est-ce pas, est une période au cours de laquelle le sommeil devient tellement profond que si l'on vous secoue, l'on vous réveille comme ça, vous allez avoir du mal à vous lever. Minuit. Minuit correspond aussi à une période où presque personne ne travaille. Parce que tout le monde est censé dormir. Minuit correspond, n'est-ce pas, à l'apostasie, à l'apogée du péché. Minuit, c'est quoi? Minuit, c'est le péché dans son paroxysme. Alors, sur le plan prophétique, minuit représente des lois impies qui sont de plus en plus votées et promulguées, à des couples qui se brisent, à la confusion. C'est la confusion. Minuit, là, c'est la confusion. Des femmes deviennent hommes, des hommes deviennent femmes. Et c'est notre génération. Nous sommes dans une génération qui voit émerger le troisième genre. On nous a appris à l'école qu'il y avait deux genres, genre masculin et genre féminin. Et aujourd'hui, on a dit qu'il y en a trois. Et l'Allemagne est le premier pays européen à voter cette loi. L'Inde également. Nous sommes dans une génération où
beaucoup de femmes ne sont plus à leur place, elles sont devenues des hommes. Parce que la loi veut cela. Vous allez en Suède, c'est la femme qui dirige. Vous allez en Angleterre, c'est là. C'est, comprenez ce que je veux dire, il y a un esprit derrière. Dieu a mis les choses. Vous savez, l'ordre de Dieu est de plus en plus renversé. Voyez ? C'est pour cela que Dieu ne peut qu'intervenir. Pourquoi Yeshua, le maître, dans la parabole de 10 vierges, n'est-il pas intervenu à 18h ? Pourquoi pas 19h ? Pourquoi minuit ? Parce que minuit, c'est vraiment le paroxysme de la nuit, du péché, de la confusion. J'ai reçu un couple il y a quelques jours. Ils m'ont amené leur enfant pour la prière. Un enfant malade. Le Seigneur me dit, cet enfant est malade, c'est à cause d'eux. Je m'apprêtais à prier, le Seigneur me dit, ne prie pas, c'est à cause d'eux. Je leur ai dit, voilà, c'est à cause de vous. Premièrement, vous devez vous marier à la mairie parce que vous n'êtes pas marié. Et l'homme lasse, l'homme sort de ses gants en disant, je ne veux jamais l'épouser. Parce que voilà son il y a ça, c'est l'homme à la maison et tout ça. Et là, je dis à la femme, et alors, qu'est-ce que tu réponds de ce que l'homme dit ? Elle disait rien parce que c'est la vérité. Une femme dans un foyer qui prend la place de l'homme, elle expose ses enfants aux démons. Vous devez être enseigné selon la Bible. Écoutez bien la parole. Nous sommes, je vous dis de la part, moi je ne fais que relayer le message. Voilà, vous prenez, vous ne prenez pas. Je ne parle pas forcément à ceux qui sont ici parce que c'est le monde entier qui suit. Le reste, quand le maître va revenir, chacun aura des comptes à rendre pour lui-même. Notre génération a donné la clé de la gestion des choses aux femmes. Vous allez dans toutes les mairies en France, vous avez le buste de Marianne. C'est la femme. Nous sommes à l'époque d'Élie qui est revenu. Ça veut dire quoi ? À l'époque d'Élie, Akab, le roi Akab, avait cédé sa place à Jézabel. Et nous sommes dans cette génération-là où c'est la femme qui amène l'argent. C'est la femme qui... Les enfants, les hommes ont démissionné. C'est la génération d'Akab. Écoutez, hein? Beaucoup vont rester. Ne rigolez pas. On n'a plus de temps. On n'a plus de temps. C'est une génération perverse et corrompue. Si vous voulez comprendre minuit encore, selon la Bible, prenez la génération d'Akab. Regardez bien. Dans cette génération, les hommes sont tellement irresponsables. Des hommes, je ne vais pas généraliser, qu'ils vont aller à gauche, à droite, coucher à gauche, à droite, et les femmes voyant cela, eh bien, elles sont obligées de prendre la place, de prendre l'autorité, de gérer. Et elles s'exposent, parce qu'elles n'ont pas le mandat pour cela, elles s'exposent. Et elles exposent les enfants et les hommes par leur irresponsabilité, n'est-ce pas, exposent leurs femmes et leurs enfants. C'est cette génération-là. On est à minuit presque, je vous dis, hein, 3 minutes c'est rien. C'est fini ça. Minuit. Comme on l'a, je le dis, c'est la confusion. Prenez l'époque d'Akab et Jézabel. C'est Jézabel qui a amené la religion. Akab, Akera ou Achera en Israël de manière officielle. Regardez, Akab a voulu avoir le jardin, hein, le potager de Naboth. Naboth a dit quoi ? Il a dit à Akab, je ne céderai jamais l'héritage de mes pères. Et quel est notre héritage à nous qui sommes chrétiens aujourd'hui ? C'est cette parole-là, le fondement des apôtres. Vous avez vu comment Jézabel veut que nous cédions cet héritage ? Regardez Jézabel, la génération de Jézabel. Vous allez comprendre le message prophétiquement. Ce message concerne d'abord les enfants de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Regardez.
prophétiquement. Dieu crée Adam et Ève, un homme et une femme. Il dit à Adam, vous ne mangerez pas de ce fruit, sinon vous mourrez. Et regardez, Ève est venue, elle a pris le dessus. Braver l'autorité de Dieu, l'ordre de Dieu, les commandements de Dieu, elle a pris ce fruit et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné à son mari. C'est la génération depuis la chute de l'homme. C'est comme si le monde avait été livré à une déesse. Et c'est terrible, hein? Et c'est cet esprit, ce démon qui a la forme d'une femme, qui va gérer le monde. Sémiramis avec Némérod, Isis, Osiris, Marie, la mère de Dieu. Vous avez vu, on place la femme au-dessus, la mère de Dieu. Ça veut dire que si Dieu a une mère, donc cela veut dire que sa mère est plus importante que lui, alors que ce n'est pas le cas. Dieu n'a pas de mère. Vous voyez comment on a sacrifié le monde à une déesse. C'est ça. Et c'est pour cela que cet esprit, cette entité, brise le foyer, renverse l'ordre que Dieu a établi. Quand Jézabel est arrivée en Israël, elle a pris la place d'Akab, elle a rasé, elle a renversé, n'est-ce pas, les prophètes de Yahweh, au point où il fallait les cacher, 100, 50 dans une grotte, 50 dans une autre, par Abdias. Jézabel a été effacée et c'est Jézabel qui était en scène. Jézabel dit à Akab, n'es-tu pas roi en Israël? Vas-y, va te reposer, moi je veux te donner le jardin de Naboth. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a écrit un courrier, elle a pris le sceau du roi, elle a apposé sur ce courrier, et puis elle a fait exécuter ses ordres par les serviteurs de son mari. Et regardez bien, écoutez, nous sommes à minuit et cette entité prend de l'ampleur dans le monde. Vous devez le savoir. Cette entité. Et vous avez vu dans Apocalypse 17, l'apôtre Jean va voir une vision. Il va voir cette entité, cette femme. Et vous avez vu comment elle est, cette femme? Elle est assise sur les eaux, sur les grandes eaux. Vous avez vu? Et on nous dit que les rois de la terre, les habitants de la terre, tout le monde adore cette entité. Tout le monde est ivre de son vin. Alléluia. Est-ce que vous suivez un peu là? Regardez. Vous savez pourquoi Dieu s'est incarné? Et vous n'avez pas compris? Regardez, le premier Adam a cédé sa place à la femme qui est devenue comme une espèce de Jézabel pour gérer le monde. C'était Ève qui gérait. L'homme, comme un homme, 100% homme, et créer une nouvelle Ève qui allait être soumise. Et cette entité qui a pu Ève ne s'est pas laissée faire. Elle s'incarne en la personne de la femme d'Apocalypse 17, c'est-à-dire la religion apostate, l'église apostate à la forme d'une femme, eh bien, brise de couple. Regardez bien quand Dieu appelle un prophète et s'il se marie avec la mauvaise femme, c'est la femme qui va prendre des décisions. C'est la femme qui va aller au devant, c'est elle qui va prendre des décisions. Regardez bien, l'homme est derrière. C'est Ève, la première Ève. Et beaucoup ne comprennent même, mais qu'est-ce que se passe? Faites le bilan, regardez autour de vous. Et nous sommes en train de vivre actuellement
L'émergence. Nous voyons l'émergence de cette femme, cette entité. La mère de la terre. La princesse, la reine du monde. Je vais encore aller plus loin, ça peut vous choquer. Il y a une vision que Dieu vient de me donner ici, là, pendant que je vous parle. J'ai vu toute la terre dans le sexe de cette femme. Toute la terre. Je l'ai vu avec des clés. Elle ferme, elle ouvre. Et je vois des hommes à genoux devant elle, à genoux, lui faisant allégeance. Il est minuit, pratiquement, moins trois. C'est l'apostasie généralisée. Cette entité veut que le genre féminin domine sur toute la terre. Vous avez vu comment beaucoup d'hommes s'habillent aujourd'hui comme des femmes. Vous avez la mode aujourd'hui, ça tend plus vers le genre féminin. Vous avez vu ça? Voilà, c'est cette entité qui est à la base de cela. Vous devez comprendre le temps prophétique que Dieu nous envoie des prophètes pour nous éclairer aussi. Voilà, cette femme gère la mode. Vous avez vu des hommes qui commencent à porter des sacs pour femmes? Voilà, c'est cette entité qui est derrière. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui nous arrive? Mais il est presque minuit, frère, le maître le plus loin. C'est Apocalypse 17 qui s'accomplit sous nos yeux. Vous avez vu l'église de Thyatire? Dieu dit quoi à l'église de Thyatire? Tu as laissé cette femme qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Mais vous croyez que c'est cette femme, c'est qui? Eh bien, c'est l'église catholique, romaine, c'est l'église protestante. C'est l'église évangélique, c'est les églises de réveil, vous croyez quoi? C'est une entité qui est derrière les assemblées. Et cette femme, vous avez vu dans la Bible? Vous avez vu la tête de Jean-Baptiste? Qui l'a réclamée? C'est une femme. Et je ne suis pas, ne croyez pas quand on parle de la femme, ne pensez pas femme comme ça. Là. C'est une entité qui peut contrôler aussi bien un homme qu'une femme, comme Jézabel a contrôlé son mari. Dieu appelle Jean-Baptiste avec un message prophétique pour libérer le peuple. Hérode l'arrête. Mais Hérode ne voulait pas tuer Jean-Baptiste. Il avait peur. Vous avez vu Hérodias, sa femme, qui est venue avec la force de Jézabel. Elle a dit à sa fille, demande-moi la tête de Jean-Baptiste. Vous avez vu cette femme? Eh bien, laissez-moi vous dire que vos prophètes là, qui sont associés avec les anges, vous qui écoutez encore ces prophètes, là, tout ça, là, vous êtes encore corrompus, plus corrompus qu'eux. Après avoir reçu un tel message, vous allez écouter ces gens-là qui sont invités par les impudiques ici à Paris. Vous êtes là. C'est une génération de rebelles. Écoutez des ministères qui crient, qui sonnent le chauffard. Oui, frère. Qui ne sont pas dans ces associations-là. Oui. Mais allez écouter ces gens-là, ces associés de Satan. Vous allez dire qu'ils prêchent bien, mais Satan prêche bien. Vous n'avez rien compris encore. Allez écouter les sophistes les grecs, comment ils parlaient. Ils maîtrisaient la rhétorique. Allez écouter la bouche d'or, Chrysostome. Quand il parlait, c'était un catholique. Tout le monde l'acclamait tout le temps, tout le temps. Il prêchait bien. Que vos yeux s'ouvrent. Oh, que Dieu nous aide. Jean-Baptiste est venu, il était dans quelle association des pasteurs? Aucune. On l'a coupé sa tête. Et qui a réclamé sa tête? Une entité féminine. Donnez-moi sa tête. Et vous avez vu? Oh, que Dieu nous aide. Vous avez vu cette femme décapiter les premiers chrétiens qui prêchaient la croix? Cette église catholique romaine? Et qui est l'entité
qui gère cette église. C'est la Marie, mère de Dieu, soi-disant. C'est la Diane des Éphésiens, comme vous le savez. Parce que c'est en 431 après Jésus-Christ que Marie a été proclamée au concile d'Éphèse, en 431. C'est là qu'elle a été proclamée la mère de Dieu. Vous savez pourquoi? Ils ont remplacé le nom de Diane par Marie. C'est une entité féminine qui gère cette église romaine. Et cette église romaine, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère tous ses enfants. Toutes ces dénominations qui sont sorties d'elle. Protestantisme, évangélique, tout ça, là, pentecôtiste, tout ça, là, ça récupère tout le monde. Dans une seule et même, mes amis, association. C'est pour cela que si vos pasteurs sont, si vous êtes dans une assemblée où le pasteur est dans une association des pasteurs, une association, une fédération, vous devez savoir qu'il y a la semence de cette femme, ce démon qui est là. Vous devez prendre vos enfants, vous sauver rapidement là. Moi, je ne fais que crier. Ne me demandez pas, il faut aller dans quelle église. On n'est pas là pour vous dire d'aller dans une assemblée. Non. Si Paul était aujourd'hui ici, vous pensez que Paul serait dans une association invité par des païens pour aller prêcher avec des pasteurs païens? Il serait parti prêcher et on ne l'inviterait plus là-dedans. Non. Le problème, c'est qu'il est minuit, donc tout le monde est un peu, beaucoup sont un peu dans la confusion, dans le mélange. C'est cette génération-là. Cette femme est là. Les gens dans ces églises adorent le diable dans le sexe de cette femme. Et son rôle, son but, c'est de tuer les prophètes. De lapider les prophètes. Paul dit, vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous ne pouvez pas prendre le repas du Seigneur avec les impies. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle de la sanctification qu'il est de Dieu. Satan, il veut vous avoir, il veut vous prêcher sur la croix. Vous croyez quoi? Vous pensez qu'il n'y avait que Jésus sur la croix? Il y en avait trois. Il veut parler sur la croix, mais ce n'est pas Jésus, c'est le malfaiteur là. Hein? On est dans la confusion. Satan, quand il a attaqué Jésus, quand il a tenté, est-ce qu'il est venu avec le Coran? Il a dit, il est écrit. Il a pris le psaume 92 là-bas, il s'est écrit, il enverra ses anges. Saute. Les chrétiens d'aujourd'hui, parce qu'il est minuit, c'est la confusion, ils diraient, ah ben il connaît la parole, donc il est de Dieu. Je saute. Alléluia! Vous voulez que je continue? Cette femme est assise sur la bête. La bête écarlate. La bête, on le sait, c'est le gouvernement mondial, c'est l'Europe. Et vous avez vu l'Europe? Europa, cette femme, elle est assise sur quelle bête? Sur une bête. Vous n'avez pas vu ça? Mais tout est sous vos yeux. Vous voulez quel temps? On est dans ce temps bizarre, dans ce temps... Dernier, ce temps de la fin. Qui savait que Europa est une femme assise sur une bête? Ben voilà, c'est Apocalypse 17, c'est sous vos yeux. Nous sommes dans le quatrième empire. Nous sommes dans un temps critique. Vous n'avez pas vu le nombre de pasteurs qui portent des soutanes aujourd'hui? Ben oui, la femme là, elle récupère ses enfants. Oh Dieu, sauve-nous. Oh, je suis prophète. Les prophètes véritables d'aujourd'hui, là, ce ne sont pas ceux qui viennent prophétiser matin, midi, soir. Dieu m'a dit qu'il va te bénir, tout ça. Ce n'est pas ça être prophète. Être prophète, c'est dire aux gens quel temps il fait. En quel temps nous sommes, en quelle saison. Vous savez, les prophètes, ils sont comme des soleils, comme des étoiles que Dieu a placées pour marquer les époques. Voilà, quand Dieu les envoie, ils marquent leur époque. Ils ne disent pas aux gens, suivez-nous. Jamais les prophètes. Ils ne disent pas aux gens, allez dans telle église. Ce n'est pas ça être prophète. Les prophètes, ils sont solitaires. Ils ne sont pas dans un groupe de prophètes quelque part, en costume et cravate, dans des associations, tout ça. Là, on va se rencontrer, manger ensemble, se taper sur l'épaule, se congratuler. Ce n'est pas ça être prophète.
Ils sont dans les grottes, ils se cachent, ils sortent, ils crient, on cherche leur tête, on les traite de tout le nom, faux prophète, gourou, tout ce que vous voulez, mais ils n'ont qu'un seul message, Yeshua. Un seul message. Cette génération, elle est perverse et corrompue. Vous cherchez une église? Vous êtes encore sur ce niveau-là de chercher une église? Oh chérie, nous cherchons une église, vous êtes encore sur ce niveau-là? On nous dit de racheter le temps, vous rachetez quoi? Vous voulez racheter l'église catholique? D'où vous êtes sorti? Alléluia! Vous voulez que je continue? Cette femme qui se dit prophétesse, elle enseigne, elle séduit. Mes serviteurs pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Vous savez ce que c'est, ces viandes? On le sait, hein? Quand on vous vend des CD de chrétiens, là, des chantres, là, tout ça, là, ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà. Quand on vous vend des concerts payants, là, tout ça, là, ce sont des viandes sacrifiées aux idoles. Je vais encore aller plus loin encore. Quand on vous fait croire qu'il faut faire une action de grâce avec l'argent, alors que dans les Écritures, là, l'offrande d'action de grâce, là, c'est pas ça. C'est l'offrande de paix. C'est pas l'offrande d'action de grâce. Tout ça, là, ça a été déformé. Tout ça, il faut rectifier ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas l'offrande d'action de grâce. L'offrande de paix, shalom, dont la base est shalom. Ce n'est pas action de grâce. Quand on vous dit, le dimanche, c'est le jour du Seigneur, ça, c'est une viande sacrifiée aux idoles. Constantin sacrifie ce dimanche à son Dieu, à un démon. Sacrifice aux idoles. Vous mangez ça depuis des années, là, tout ça. On a mangé ça. Quand on vous dit payez la dîme, vous serez béni. Viande, sacrifice aux idoles. Ça, vous le savez. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand on vous dit soyez des champions sur la terre avec la Bible, soyez des champions. Vous êtes des champions. Viande, sacrifice aux idoles. Quand on vous dit d'envoyer le feu chez les sorciers pour qu'ils soient consumés, viande sacrifiée aux idoles. Quand on vous parle des liens familiaux tout le temps alors que vous êtes chrétien, viande sacrifiée aux idoles. Quels liens familiaux? Quand on vous parle de la Trinité, Dieu le Père d'un côté dans son coin, Dieu le Fils de l'autre, Dieu le Saint-Esprit ailleurs, sur le trône, il y en a combien? Trois ou un seul être? Eh bien, tout ça là, viande sacrifiée aux idoles. Voilà. Un Dieu à trois têtes. Et en fonction de son humeur, vous cherchez la tête qui vous convient pour... Hein? Tout ça, là. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Un temps de confusion. Vous avez vu comment les jeunes s'habillent aujourd'hui, les hommes s'habillent aujourd'hui? Vous allez voir un homme habillé, vous allez dire c'est une femme. Quand vous allez voir son visage, c'est un homme. La confusion, on ne sait même plus qui s'habille comment, qui doit s'habiller comment. C'est la confusion. Vous avez vu ça? Vous avez vu ces jeunes femmes habillées avec des culottes qui arrivent ici, là, mes amis, des caleçons qui arrivent ici? Jean, on appelle ça jean aussi. C'est la confusion. Vous avez vu ça? Vous avez vu avec tout ce mélange, là, tout ça? Maintenant, l'homme est capable de fabriquer, c'est ça. Même pas créer, des animaux. Cloner. Vous avez vu ça? Notre génération. Le mélange, la confusion. Ésaïe 5:20 nous dit, le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Voilà notre génération. C'est la confusion. Vous avez vu tous ces jeunes qui ne veulent pas se marier, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont vu la confusion chez leurs parents. Vous avez vu ça? Ils voient leur mère crier sur leur père matin, midi, soir. Voilà ces femmes qui ne cessent de crier sur leur mari matin, midi, soir. La confusion. Ces hommes qui crient tout le temps. La confusion, c'est notre génération. Une génération de confondus, de confus, de malades. Voilà le temps dans lequel nous sommes. Et donc, il est presque minuit. Et quand on regarde aux églises, eh bien, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, des pasteurs ronflent. Ils ronflent.
Sentinelle, quelle heure est-il dans l'horloge de Dieu? Ça dort. Qu'est-ce qui prouve qu'ils dorment? Ben, parce qu'ils sont tout le temps attachés à la terre. Donnez, vous serez bénis, vous allez voir. Oh, la bénédiction arrive sur vous. Et vous aimez ce message aussi. Prêche, papa, prêche, mon frère. Vous rigolez? C'est comme ça que vous êtes. Beaucoup. Je vous dis. Vous sortez d'ici, vous allez manger encore. Hein, allez manger encore des coloquins sauvages parce que vous aimez qu'on vous caresse dans le sens des poils. Ouais. Alléluia! Vous n'avez pas réalisé que les églises là sont devenues carrément. Vous n'avez pas compris que c'est le monde. Vous rentrez dans un. Quand, frère, dans la, qui a une Bible là? Levez vos Bibles, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, donnez-moi un verset. Vous avez vu la femme de Pierre en train de gérer l'entreprise avec son mari. Dis à ton voisin, il n'y en a pas. Papa Pierre, maman Pierrette. Papa Pierre prêche, maman Pierrette compte les offrandes. Alléluia! Vous voulez que je continue? On a encore 4 mois, 5 mois ici. Là. Oh Dieu, sauve-nous! Vous avez vu la femme de Pierre? Papa prêche, la femme de Pierre gère la chorale. Vous avez vu ça? 15 ans après, c'est toujours la même femme qui chante. Et s'il y a une jeune fille qui chante aussi, la femme dit, ici c'est moi. Vous avez vu ça? Non. Moi, Dieu m'a dit, il faut parler. Dis à ton voisin, Dieu lui a demandé de faire ça. Et si tu n'es pas d'accord, va voir Dieu. Alléluia! Alors, ils cherchent, je sais qu'ils me regardent tout le temps. Ils veulent à tout prix aussi que je sois comme eux pour pas que je parle, pour m'intimider. Vous pensez m'intimider avec vos mensonges? Je ne veux jamais me taire, frère. Oh non, il a plus de 1000 villas ici et là, mais vous avez vu ça, quelle villa? Je veux continuer à parler. Oh, il a une villa en Suisse. J'ai été en Suisse une seule fois, j'ai déjà une villa là-bas. Encore mon frère, il nous fait me rappeler cela, il me disait, mais on est parti en Suisse ensemble, on était dans une même chambre d'hôtel. Alors je lui ai dit, ça m'acheter une ville. Oh Dieu, sauve-nous. Tout le monde n'est pas voleur, hein? Non. Alléluia. Amen. Vous voulez que je parle encore, frère? Il est dit dans la Bible que l'insensé, le fou, quand il marche dans la rue, il appelle tout le monde fou, fou, fou. Donc, quand quelqu'un vole l'argent du Seigneur, pour lui, tout le monde est voleur. Voilà. Dieu, aide-nous. Dieu m'a dit, dans cette génération, il faut que tu parles. Quand il m'a donné cette vision, quand je me suis réveillé, j'ai compris que je dois encore crier. Je vous dis, c'est pas fini encore. Il y en a, ils pensaient que j'allais partir avant. Non, Dieu m'a dit, crie encore. Il est presque minuit. Les gens ronflent. Allez voir les cinq sages, les cinq femmes sages. Là. Allez les voir. Ça dort. Pourquoi? Parce que l'époux tarde à revenir. Et ça dort. Pourtant, elles sont sages. Hein? C'est-à-dire, elles craignent Dieu. Les folles n'en parlent même pas. Ça ronfle bien comme il faut. Et les folles, vous savez les folles, les cinq folles, elles paraissent tellement TTS, très très spirituelles. Tous les dimanches, c'est des femmes, elles se maquillent tout le temps. Si vous allez aux Antilles, vous allez voir ces femmes, elles sont bien endimanchées, elles ont des tenues terribles. Chapeau, tout ce que vous voulez, elles sont habillées en blanc, parfois. Vous allez en Haïti, toutes elles sont en blanc. Et voilà, à l'assemblée pour prier. Vous allez au Congo, 40 degrés, ils sont en costume et cravate. Même s'il n'y a pas l'argent, mais il faut quand même trouver un petit costard quelque part, même à 5 dollars.
même si ça pend dans tous les sens, là, mais c'est pas grave, c'est le costard pour le jour du Seigneur. Tandis que l'homme de Dieu, lui, son costard vient de la Suisse, vient de l'Italie, donc il y a une sacrée différence, mais c'est pas grave, tout le monde est content parce que tout le monde est en costard. Parce que c'est la maison de Dieu, alors que les anges ne sont même pas en costard. Alléluia! Vous allez chez les autres, là, il faut laisser pousser la barbe. On dit, c'est ça Dieu. Et ceux qui ne sont pas velus, ils ont des problèmes. Parce que, voilà. La confusion. La confusion. Alors, ils prennent des noms très attrayants. Montagne de feu. Quand tu entends ça, tu dis certainement, sur la montagne, il y a le feu. Alléluia! Quand tu arrives là-bas, on dit « montagne de feu, c'est comment ?» 3 jours de jeûne à sec d'abord. Mais j'ai un problème d'estomac, donc il faut jeûner quand même. Combat spirituel. Alors quand tu entends ça, tu dis « ah ben comme je suis combattu, je dois aller combattre spirituellement là-bas. » Voilà. Église Élim. Vous savez Élim, sur le désert de Sinaï, il y avait une station qui s'appelait Élim. Il y avait 12 palmiers. Alors quand tu entends Élim, église Élim, oh, certainement il y a beaucoup d'eau à boire là-bas. Quand tu arrives là-bas, non, il n'y a pas d'eau, c'est des eaux amères. Église évangélique, la manne cachée. Eh bien, si elle est toujours cachée, ça ne sert à rien d'aller là-bas. Voilà. Alléluia! Amen. Vous voulez que je continue, frères et sœurs? Oh Dieu, sauve-nous. Il est minuit, presque. Tout ça là, c'est minuit. Entre les gens dorment. Et les folles, non plus, elles ont des lampes, mais il n'y a plus d'huile. Il n'y a plus l'esprit. Vous savez, les folles, il n'y a plus l'esprit. Il n'y a plus l'esprit, il n'y a plus la sainteté, la gloire de Dieu, il n'y a plus. Ça dort, tout le monde dort là-dedans. Et les bons et les mauvais, tout le monde dort. Je vous dis, cette génération-là, beaucoup dorment. Vous avez vu comment les gens sont endormis dans les assemblées, là, mes amis? Ne pensez pas parce que les gens sont excités qu'ils sont, ils sont réveillés. Le Seigneur dit à l'église de Sardes, voici, tu parais vivant, mais tu es morte. Tu parais. Il dit dans Osée là-bas, éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Ça chante le gospel, ça fait des concerts payants. Vous avez vu ça dans quelle Bible? Dans quelle Bible vous avez vu ça? Vous avez vu David faire un concert payant? Quand Saül était touché par un démon, David est allé faire plusieurs concerts gratuitement. Alléluia! Mais c'est vous qui avez enrichi ces gens-là. Vous allez aller à la librairie là-bas, c'est ici. On dit c'est ici l'enfer, c'est ici. Vous ne comprenez toujours pas. C'est ici. Mais c'est ici quoi? Marché. Alléluia! Celle-ci. Librairie chrétienne pour Lucifer. Et vous allez faire quoi? Comporte plainte. Il n'y a pas de souci. Je vais expliquer tout ça au juge. Vous savez, quand on était à travail, quand on a porté plainte contre nous là, par le maire, là, on était dans tous les tribunaux ici. Hein. Les frères et sœurs étaient là, on criait dehors. Ah oui, frère. Ah oui. Il faut crier. On dit à minuit, on cria. On n'a pas dit à minuit, on a caressé. Imaginez, vous dormez profondément, quelqu'un arrive à votre oreille, parce que quand on crie là, c'est à l'oreille. Ça va vous boucher l'oreille. Réveille-toi! Alléluia! Amen. Notre génération aime beaucoup la sagesse selon le monde. Non, il faut être sage, tu comprends? Il faut beaucoup de sagesse. Non, ce monsieur est instable. Il est fou. Mais ils disent que je suis fou, mais pourtant ils sont tout le temps connectés en train de me suivre. Ils cherchent quelle folie, je ne sais pas. Vous avez vu, à la 10e minute, il a dit si. À la 20e, ils suivent de près. C'est quelque chose là. Un fou qui est fou. Quelqu'un qui est fou. Vous allez suivre un clochard, pourquoi? Il est fou là. C'est parce que quelque part là, vous êtes interpellé par le Seigneur. Alors, il faut la repentance. Dis à ton voisin, il est presque minuit. Je ne suis pas théologien, Dieu ne m'a pas dit, je ne suis pas prophète, apôtre, docteur, je ne sais pas quoi. Il m'a dit, va crier, c'est tout ce qu'il m'a dit.
Il ne m'a pas dit, entre dans une association des pasteurs. Soit... Il ne m'a pas dit ça. Il m'a dit, tu cries, tu t'enfermes. Il ne m'a pas dit de bâtir une église, de prendre une grande salle pour vous remplir encore du monde. Non, vous ne m'appartenez pas. Vous appartenez à Jésus. Ceux qui sont du Seigneur, il y en a, ils appartiennent à Satan. Ça, c'est leur problème. Ils sont là, sorciers. La nuit, hier, ils ont volé. Ils sont revenus ce matin. Je sais. Vous rigolez, mais ils sont là. Ils font des sorties astrales, on sait. Alléluia! À minuit, on a crié. On a crié quoi? Hein? Voici, dis à ton voisin, tout homme qui ne parle pas de Jésus, il faut parler aller avec. Alléluia! À minuit, on a crié. Voici l'époux. Donc, selon la Bible, le Seigneur va revenir à minuit, pas minuit selon les hommes, à une époque où il y aura tellement le bazar sur la terre, et c'est le cas aujourd'hui. À un moment où... Regardez, frère, regardez la Bible. On en a parlé samedi dernier. À chaque fois que Dieu était descendu dans les Écritures, à chaque fois que l'homme avait atteint, n'est-ce pas, de sommet dans son péché, dans sa rébellion, Dieu descendait. D'accord? Vous avez vu Moïse? Il était sur la montagne de Sinaï. Et le peuple s'est corrompu au pied de la montagne. Et Dieu va dire quoi? Descends, car ton peuple est corrompu. Le fait que Moïse était descendu comme ça, le fait qu'il descende comme ça, est l'image du retour de Yeshua. Yeshua va redescendre. Pourquoi? Parce que les églises, la plupart des églises, se sont corrompues. Elles se sont fabriquées des veaux d'or. L'argent, les bâtiments d'église, des pasteurs, les habits, le matériel. Vous avez vu? Et Dieu ne peut que descendre là. Parce que, je vous dis frère, si le Seigneur ne descend pas aujourd'hui, là, nous sommes vraiment mal barrés. Je vous dis la vérité. S'il ne descend pas aujourd'hui, frère, très peu encore vont partir. Parce que la séduction est telle que très peu résistent. Le Seigneur l'a dit, hein, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Personne. Parce que la pression est telle que beaucoup tombent dans le péché étant chez eux facilement parce qu'il y a tellement d'images, n'est-ce pas, subjectives, d'images pornographiques aujourd'hui. Il y a tellement le péché. Chacun prêche pour sa paroisse. Très peu prêchent pour amener les gens à Dieu. Oh non, ce sont mes brebis. Non, non, nous sommes l'église pentecôtiste. Venez chez nous, nous les baptistes, nous les pentecôtistes, nous les témoins de Jéhovah, nous ceci, nous cela. Voilà. Honnêtement, vous pensez que tout ça c'est Dieu? Donc, le Seigneur me dit qu'il revient plus vite qu'on ne le croit, plus tôt qu'on ne le pense. Et il a dit quoi par rapport à l'ivraie? Laissez l'ivraie croître avec le blé. Laissez les deux semences croître ensemble. Oh, mes amis, c'est grave. Ça veut dire que jusqu'à son retour, là, imminent, là, qui arrive là, le mal va croître à côté, à tes côtés. Pas au loin, juste à tes côtés. Tu peux ouvrir, même dans ta maison. Vous pensez que parce que vous êtes dans votre maison que vous allez être protégé? Maintenant, attendez, vous croyez quoi? Le mal, ça va croître ensemble. Livré à côté du blé, les deux ensemble. Jusqu'au retour de Yeshua. Et vous savez, livré, hébraïcus en latin, signifie ébriété en français. Le rôle de livrer, c'est d'enivrer les chrétiens. Zizanion en grec, pour mettre la zizanie, la division entre les frères. C'est le rôle de livrer. Dans les foyers, dans les bâtiments d'église, dans les maisons, partout. Et cette semence-là croît à côté du blé. Il se trouve même que ta femme est livrée.
ton mari est livré, qui sait? Que sais-tu? Oh Dieu. Les deux ensemble. Donc Dieu dit que le mal va augmenter. Croyez-moi, il y aura de plus en plus de méchants, de plus en plus de faux, de plus en plus d'impudiques, de plus en plus de meurtriers, selon la Bible. De plus en plus d'avions qui vont tomber, de plus en plus de catastrophes naturelles, tsunamis, tremblements de terre, de plus en plus de canicules, de plus en plus de dépressions. Attachez-vous, hein, les turbulences ne font que commencer. Le monde est rentré dans une zone de turbulence. Minuit. L'heure approche. Et le Seigneur ira acheter justement le temps. Cela veut dire quoi? Plus de distractions. Écoutez bien, chrétien. Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai choisi et je choisis qui peut venir chez moi à la maison. Vous ne devez plus laisser les gens qui ne sont pas avec le Seigneur venir chez vous. Vous êtes tellement mélangés. Vous savez que ce monsieur n'est pas avec Dieu. Vous le laissez venir parler avec vos enfants. Abraham se séparait avec Lot. Dieu lui dit, sépare-toi. Plus minuit approche, plus les vrais enfants du royaume doivent se séparer d'avec le mal, frères et sœurs. C'est ça l'évangile. C'est pas moi qu'on acclame, c'est le Seigneur qu'on acclame, frère. On peut acclamer encore Jésus-Christ. Les sentiments. Oh, ça fait des années qu'on se connaît. Ça fait des années. Ah oui, ça fait des années. Le minuit arrive là, à continuer comme ça là. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Choisissez. Je choisis quel mail je dois recevoir, quel message. Frère, choisissez. Jusqu'à quand allez-vous boiter encore? Si Baal est Dieu, allez avec Baal. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Choisissez maintenant. Fini l'hypocrisie. Frère, vous n'êtes pas obligé de vous imposer une amitié qui ne vous produit rien, qui ne vous amène nulle part. Jésus a dit, choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servions l'Éternel. C'est à toi de choisir. C'est ça aussi, racheter le temps. Racheter le temps, c'est choisir avec qui prier, avec qui marcher, c'est choisir avec qui méditer la parole de Dieu. Racheter le temps, c'est de se réveiller, de se conformer à ce que Dieu dit. Parce que les guerres, là, il va en avoir de plus en plus. Je vous dis, ça va exploser encore entre Israël. Vous savez, ça va exploser entre Israël et la Palestine. Ça va de plus en plus, mes amis, alléluia, exploser. Selon les Écritures, nous tendons vers cette guerre d'Armageddon, là, mes amis, dont parlent les Écritures. Vous n'avez pas compris que depuis quelques années, c'est pratiquement maintenant le temps d'Israël, là. On parle plus d'Israël, de plus en plus la Palestine. Vous n'avez pas compris que c'est une horloge que Dieu nous demande à regarder, à nous préparer pour son retour. Vous n'avez pas compris ça encore? Les tunnels qui sont creusés sous, n'est-ce pas, la terre, là, tout ça. Là. Vous n'avez pas compris que c'est le temps des nations?
c'est la guerre entre les deux enfants d'Abraham. Vous n'avez pas compris que presque le temps de l'église est fini. C'est comme si Dieu est en train de cacher de plus en plus la vraie église pour la sanctifier pour les noces. Vous n'avez pas compris que les vrais chrétiens ne sont plus dans ces endroits bizarroïdes. Vous n'avez pas compris que les vrais chrétiens, mes amis, ne vont plus écouter n'importe quel séminaire. Les vrais chrétiens. Vous n'avez pas réalisé encore. Dieu, dans ce temps dernier, est en train de sélectionner son peuple. Dieu est en train de plus en plus d'écarter, d'éloigner son peuple de Babylone. Dieu sort son peuple des mélanges. Dieu sanctifie son peuple. Dieu restaure son peuple. Dieu prépare son armée, frères et sœurs. L'armée de Dieu se prépare. Jesus. Oh, ma joie est grande. Parce que notre chéri d'amour, frère, avec son épée, est en train de nous détacher de nos liens, de nous détacher de nos, alléluia, des sentiments de ce monde, nous détacher de la terre. Il est en train de nous alléger, frères et sœurs. Et on sera de plus en plus rejetés, lapidés, traités de faux prophètes, traités de tout le nom, frères et sœurs, exposés sur la toile. Mais Dieu se réjouit parce que son armée se prépare pour les grandes noces, les noces de l'agneau. Jesus. Le fils d'Issacar, dans 1 Chronique 12, 32, maîtrisait, connaissait le temps, avait le discernement du temps, sur le temps, pour dire à Israël ce qu'il devait faire. Nous sommes comme les fils d'Issacar, dont le nom signifie Yahweh donnera un salaire. Il donnera un salaire. Yeshua revient pour nous donner notre salaire, frères et sœurs. Le double salaire. Alléluia. Le salaire de notre persévérance, frères et sœurs. Mais avant son retour, des prophètes vont se lever. Des messagers et des messagères vont se lever. Dieu donne une parole. Le nombre de messagères qui sont, alléluia, envoyés, mes amis, est très, très, très important. Dieu envoie une parole sur la terre et des femmes et des hommes sont touchés, convaincus par cette parole pour devenir des messagers et des messagères. Voilà ce que Dieu veut. L'heure n'est plus à chercher les églises. L'heure n'est plus à courir après les pasteurs, les hommes de Dieu. Vous êtes des hommes et femmes de Dieu, vous aussi. L'heure n'est plus, frères et sœurs, alléluia, à chercher des médiateurs. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le véritable Dieu. Alléluia, Jesus Christ. Alléluia. L'heure n'est pas de courir après le pape. Nous avons notre Père Céleste. Ça nous suffit. Voici donc comment vous devez prier, disait-il le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, ton Père n'est pas sur la terre. Ton Père, mes amis, est sur son trône. Il est dans les cieux. Il contrôle, il commande, il ordonne, il dirige, il règne. Jésus. Une armée nouvelle, une armée préparée dans les coulisses par le Père. Ces hommes et ces femmes qui sont sanctifiés. Ils sont comme finis. Ils sont comme Moïse. Ils sont comme Abraham. On les traite de tous les noms. De fous, d'idolâtres, de magiciens, d'illuminés. Mais ils ne s'arrêtent plus sur ces épithètes. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont amoureux. Ils sont habillés dignement. Ce ne sont pas des femmes qui exposent leur corps ici et là. Non, frère, non, pas du tout. Ce sont ces femmes de Dieu habillées décemment qui cherchent la sainteté comme Sarah, qui craignait Dieu. Oui, les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Mais Yeshua, frère, il revient. Et je vous dis, enfants de Dieu, il y a un réveil de véritables enfants de Dieu. Et ces sages qui se réveillent, prennent leur lampe. C'est ça le réveil. Quand on se réveille, on fait un retour à la parole. On commence à obéir la parole. À la parole. On commence à méditer la parole. On commence à méditer profondément la parole, plus qu'avant. On ouvre sa Bible. On va prendre du temps pour la lire, la méditer, comprendre l'évangile. Et on va commencer à régler sa vie selon la parole de Dieu, non selon les hommes de ce monde. On va commencer à vivre sa vie selon la parole. On va commencer à prendre ses enfants et à les rassembler autour de la parole.
On a commencé à jeûner, à prier, à témoigner autour de lui, autour de soi. Et on va allumer sa lampe. Le réveil, c'est le fait de prendre l'huile et de l'utiliser pour la lampe. Le réveil, c'est le retour à la vie de l'Esprit de Dieu. Ce n'est plus à une vie complètement conduite, réglée selon les hommes. Mais c'est l'Esprit maintenant qui va conduire ta vie. S'il te dit, lève-toi à minuit, tu vas prier. Tu vas te lever pour prier. Alléluia, Jesus Christ. Oh! S'il te dit, tu vas jeûner, non lundi comme d'habitude, mais c'est le mardi, tu obéis. S'il te dit, aujourd'hui tu ne sors pas parce que je te veux dans ma présence, tu ne sors pas. La vie de l'Esprit de Dieu. Oh mon Dieu, la vie de l'Esprit te permettra de vivre, de remporter beaucoup de batailles, beaucoup de victoires. L'huile. Et Esaïe nous dit, la graisse, l'huile, sera le joug. La vie de l'Esprit te fera remporter des victoires sur tes ennemis qui vont se lever contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par ce chemin. La vie de l'Esprit, l'Esprit va tellement te saisir qu'il sera répandu sur ta famille, sur tes enfants, sur ton père, ta mère, tes frères et sœurs, tes cousins, tes cousines. Quel que soit ton âge, l'Esprit te saisira. L'Esprit te donnera des visions, des songes que tu avais le jour de ta conversion. L'Esprit te donnera des prophéties sur les frères et sœurs, sur les nations, sur les politiques. Dieu te parlera, t'en fera parler aux hommes, le savant. L'Esprit te saisirait tellement que les gens ne vont plus te reconnaître. Toi qui étais timide, tu vas reprendre ton épée, l'épée que tu as reçue quand tu t'es converti. Tu vas retrouver ton bâton, tu vas retrouver ton manteau, tu vas retrouver ta vie de prière, tu vas retrouver ta consécration. Oui, tu es passé par une grande turbulence, tu es passé par des turbulences terribles, tu es passé par le brisement. Mais le vase que tu as essayé de faire, qui n'a pas réussi, ne sera pas un échec éternel. Le deuxième vase réussira, te dit l'Esprit de Dieu. L'huile, 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 l'huile ne manquera plus. L'huile ne te manquera plus. L'huile, femme, femme, ma fille, ma fille. Ma fille, l'huile apportera la guérison. Tu verras des Sidéens guéris. Tu verras des cancéreux guéris. Tu verras des gens condamnés par la médecine être guéris par l'imposition de tes mains. Au nom de Yeshua! S'il y a toutes ces maladies incurables, Dieu le permet parce que l'onction de guérison va croître encore. L'onction de délivrance va croître encore. L'onction de délivrance, de miracle, va s'accroître dans ton ministère, dans ton foyer, dans ta famille, dans ta... C'est l'esprit de lit. L'esprit de lit, l'esprit de sainteté qui a conduit Jean-Baptiste te conduira, te dirigera. Tu vas préparer ma voix, préparer mon retour, préparer mon peuple. Dieu a une armée qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Ma fille, la sorcellerie ne peut rien contre toi. Sache-le. Ils ne peuvent rien contre toi, les sorciers, ni contre ta famille. Car j'ai mis sur toi mon sceau. J'ai mis sur toi mon sceau. J'ai mis mon sceau sur toi, fils. Je ferai la différence désormais entre mes enfants et les enfants de ce monde.
par la sainteté de mon esprit. C'est le temps de la visitation. Toi qui veux me rencontrer, toi qui veux ma révélation, je veux me révéler à toi. Je veux me révéler à toi. Je veux me révéler à toi. Jeune fille, voici ta visitation. Voici ta visitation. Voici ta visitation. Le Père est là pour toi. Tu te sens tellement petit, petite, insignifiant, incapable de produire quoi que ce soit. Dieu dit, mon esprit produira mes œuvres en toi. Les œuvres de la résurrection, la puissance de la résurrection. Jesus Christ. Je brise les chaînes de la mort dans ta famille. Je brise les chaînes de la condamnation. Femme, là où tu es assise, la mort te lâche. La mort te quitte. Je dis maintenant que la mort te quitte. Cet esprit de mort qui veut emporter ton âme, quitte ma sœur. Démon, les démons qui sont là, je leur donne l'ordre de quitter les corps maintenant. Je vous veux ici devant. Démon, venez ici devant. Je vous veux ici. Venez ici. C'est un ordre que je vous donne au nom de Yeshua. Venez ici. C'est un ordre. Et vous l'avez. Vous savez que Dieu me donne cette autorité sur vous. Quittez-moi ces corps. Quittez-moi ces corps. Esprit de mort. Au nom de Yeshua, mon maître, qui est le vôtre également. Je veux ici, démon. Ici! Ça va venir ici, je vous dis. Si, ici, devant. Ceux qui sont possédés par cet esprit-là que Dieu m'a montré là, ça va venir ici, eux-mêmes là, ils vont venir ici là. Je convoque tous ces démons devant ici au nom de Jésus de Nazareth. À genoux, ici. On acclame Jésus de Nazareth. C'est pas fini. L'ordre est descendu du ciel. Si, tu le sais. Ici. Ici. Il ne faut même pas la toucher. Elle-même, ce démon qui est en elle là, il va venir ici. Vous allez voir la puissance de Dieu. Démon, écoutez-moi. C'est le dernier ordre, le dernier commandement que je vous donne. Au nom de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, c'est le dernier appel que je vous lance. Je vous dis, venez avec les corps que vous possédez ici devant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant! On acclame le Seigneur de gloire. Qui réalise que la parole de Dieu
est puissante. Oh Dieu, magnifique frères et sœurs, à genoux. Voilà. À genoux là aussi, le nom de Yeshua. La puissance de la résurrection est là. Vous avez vu sur la croix, Jésus-Christ a triomphé de ses esprits. À genoux, démon. Cette jeune femme servira Jésus. Jesus Christ. Oh Dieu magnifique. Qui réalise que Dieu est puissant? Oh Dieu de gloire. Oh Dieu d'Israël. Il y a un feu ici devant. Il y a un feu qui entoure ce lieu. Ça vomit les démons. Jesus Christ. Oh Dieu d'Israël. À genoux. Maintenant. Au nom de Yeshua, serpent. Tu es vaincu. Au nom de Yeshua. C'est un ordre. Oh Père. Oh Dieu de gloire. Jesus. Elle est enceinte dans le monde spirituel. Elle est en train de donner naissance aux choses bizarres là. Il y a un gros serpent là. Elle est en train de donner naissance à un gros serpent là. Quitte ma soeur, Marie de nuit. Elle n'est plus ta femme. Elle te vomit. Elle te vomit. Quitte-la. Il y a une personne qui est venue nouvellement ici, qui est possédée par un esprit impur. Un esprit impur. Tu vois là où tu es là. La main de Dieu vient sur toi là. Esprit impur. C'est un esprit qui sent mauvais, qui pue, qui pue, qui pue, qui pue, qui pue. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh esprit impur, tu sais que je t'ai vu. C'est un démon très laid, très laid, très très laid, très très laid. Quitte ce corps là, voilà, quitte ce corps au nom de Yeshua. Il y a un deuxième démon là, un deuxième démon quelque part là, un deuxième démon. Il y a un troisième là. Je veux que vous quittiez. Maintenant, au nom de Yeshua. On peut acclamer Jésus de Nazareth, frères et sœurs. Oh mon Dieu. Elle est en train de donner naissance à une deuxième femme. Waouh! Waouh! Serpent! Tu sors d'elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu la lâches! Il y a un autre démon là. Je vous dis, il y a un autre démon là. Oui, c'est une personne qui est assise là. Tu as comme du feu autour de toi. C'est comme si tu dois partir d'ici là. Tu te sens bizarre là. Tout ça là. Oui, tu vois la main de Dieu. Tu vois la main de Dieu sur toi là. Ce démon te lâche. Ce démon, tout ça là. C'est un démon envoyé par ta famille. Tout ça au nom de Yeshua. Oh mon Dieu, mon roi. Un esprit ici, là, un esprit familier ici. C'est un esprit humain qui te poursuit partout, qui te contrôle partout. Tout ce que tu fais, c'est un esprit qui vient contrôler ta vie, tout ce que tu fais, tout est... Ah, oh,
Je veux que tu quittes ce corps-là. Je veux que tu abandonnes ce corps. Je veux que tu abandonnes ce corps. Je veux que tu abandonnes ce corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi. Oh. Amenez des sacs là. Il y en a qui vont vomir des choses. S'il vous plaît. Lâche. Fini. Au nom de Jésus de Nazareth. Voilà. Au nom de... Qui délivre ici, frères et sœurs? Ça sort là. Chut. Il y a une jeune fille. Il y a une jeune fille. Que Dieu veut libérer des griffes d'un esprit, un esprit sauvage, un esprit qui ravage tout ce que tu fais, qui vole ton intelligence. C'est un esprit qui est assis sur ta tête au nom de Yeshua. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour. Voilà, ça vomit là, ça va vomir ces choses au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut, on peut tendre nos mains vers eux, là, prier, mes amis, là, vers elles? Oh, Dieu de gloire, tu vas la lâcher maintenant. Tu la lâches, lâche-la comme ça, là. Lâche-la, oui. Lâche-la au nom de Jésus de Nazareth. Lâche ma soeur. Lâche son corps. Lâche-la. Lâche-la au nom de Yeshua. Lâche-la. Sors. Jesus Christ. Sors. Allez, pars maintenant. Pars. Allez, pars. Sortez. Priez, sortez, allez sortez, allez sort, sort, au nom de Jésus, Jesus, oh Dieu de gloire. Au nom de Jésus, esprit de serpent, esprit de sorcellerie, esprit de colère. Oh mon Dieu. Chut. Un esprit de séduction. Quitte là. La séduction. Toi, tu veux la transformer en prostituée? Pour qu'elle fasse tomber les hommes. Pour qu'elle fasse tomber les hommes mariés au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Ton règne est fini. Définitivement, là, cette jeune fille va être purifiée, nettoyée de toi là, au nom de Yeshua. Oh, oh Yeshua. Oh Yeshua. Un esprit de folie. Un esprit de folie qui est là, que Dieu m'a montré. Esprit de folie. Dans ta famille, il y a plusieurs cas de folie, de dépression. Le Seigneur te libère aujourd'hui. Je dis bien, c'est ton jour aujourd'hui. Tu as assez pleuré, tu as assez prié. L'esprit de folie est en train de te lâcher. Et il s'en va avec toutes ses pensées qu'il t'envoie. Toutes ces pensées qu'il t'envoie, ces pensées de mort, de suicide, le Seigneur t'en libère au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Oh Père, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur. Jeune fille, Yeshua t'a franchi. Oh Dieu de gloire. Oh Père. Oh mon Dieu, ça va aller, ça va aller. Viens me voir, viens me voir, viens. Viens me voir. Dieu est bon. Viens me voir. Ça va aller, t'inquiète pas, d'accord? Voilà, ça va aller. Tu sais, c'est Jésus-Christ qui fait, c'est maman, c'est Jésus-Christ qui fait,
que guéri, maman. Alors, n'aie pas peur, ça va aller. D'accord? D'accord? Voilà, fais-moi la bise. Voilà. Voilà, ça va aller. Ça va aller. Comment tu t'appelles? Dis-moi. Maëva, tu as quel âge, Maëva? 5 ans. Tu aimes Jésus? Ah ben c'est bien, Maëva. Alléluia, c'est bien, ça va aller. Voilà. Alléluia. Ton nom est comme du miel sur mes lèvres. Ton esprit. Là, c'est l'amour du Père qui vient sur vous, mes sœurs, pour vous guérir, pour vous restaurer, pour vous soigner en profondeur. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Oh, Dieu vous aime. Celles qui ont subi des attouchements, celles qui ont été violées, celles qui ont été blessées par les hommes, Dieu me dit qu'il les délivre, qu'il les guérit, qu'il les soigne en profondeur. Je veux dire, quoi? Oh Père, merci. Oh Dieu d'Israël. Y a-t-il quelqu'un qui est venu pour la première fois ici? Isabelle? Quelque chose, quelqu'une femme? Isabelle, ou qui nous suit, qui s'appelle Isabelle nouvellement, il y a quelque chose que Dieu veut lui donner. Elle est souffrante. Ton nom est comme du miel. Levez-vous, mes sœurs. Levez-vous. Dieu vous aime. Dieu essuie tes larmes. Tu as assez souffert. En sortant d'ici, tes problèmes sont résolus. Au nom de Yeshua. Je vais témoigner la gloire de Dieu partout. Au nom de Yeshua. Oh mon Dieu. Levez-vous, mon Yeshua. Jésus. Tu veux baptiser? Ouais? Par immersion? Ok. Oh Dieu d'Israël. Le Seigneur te console. Aurélie, tu pourras les voir. Elle a besoin d'être guérie au niveau de l'âme. La consoler. Priez, mes soeurs, priez pour elle comme vous le faites. Ton nom est comme du miel. Ton esprit. Ta parole. Jésus, je t'aime. C'est bon. Tu es marié? Tu as des enfants? Ton mari est là? À la fin, allez voir les sœurs pour parler un peu. Elles vont pouvoir vous donner quelques conseils. Waouh! Il y a quelque chose qui se trouve sur ton côté gauche. Cette chose veut provoquer l'AVC, un AVC, la paralysie. Et tu commences à te sentir bizarre. Tu commences à... Et depuis quelques jours, depuis quelques temps, tu sens cette attaque venir. Tu es là. Le Père veut te guérir au nom de Yeshua. Dieu ne veut pas te voir malade. C'est pour cela qu'il te guérit maintenant. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Père, merci pour ta grâce.
He want to worship. He want to bow down. To say that you're my God. So what greater lovely. Altogether wonderful to me. Oui, je te célèbre. Oui, je te célèbre. C'est bon. Toute admirable, c'est bon. Je ne saurais vous pensez que Dieu peut le guérir à tout ça là? Oui, on le croit parce que Dieu n'a pas changé. Oh Dieu de gloire. La prostate, là, cette maladie, elle a disparu. Et un ange qui est venu l'enlever. Jesus. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Pas. Sors de là. C'est fini. C'est bon. Jesus Christ. Oh Jesus Christ. Qui croit que notre frère peut être guéri par le Seigneur? Dieu va lui donner un sang nouveau. Notez bien, il va rentrer, comme il rentre à Kin, il va les témoigner. Ma prière est que les médecins soient choqués et qu'ils témoignent, qu'ils témoignent partout que Dieu n'a pas changé. Il est le même, il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même. Je veux chanter pour mon Dieu dans ma vie de tous les jours. Ma vie lui appartient. Je veux chanter pour mon Dieu dans ma vie de tous les jours. Ma vie lui appartient. Emma, Emma, Emma. Emma, Emma, Emma. Emma, Emma, Emma. Emma, Emma. Je veux chanter pour Jésus dans ma vie de tous les jours. Ta vie lui appartient. Avec toi Seigneur, je régnerai. Amen. Waouh. Il n'a pas changé. Oh Seigneur. Oh Dieu de gloire. Père mon Dieu, tu peux opérer ce miracle
dans la vie de cet homme. Tu peux purifier son sang. Tu peux nettoyer son sang, Seigneur. Père, je te demande cette faveur. Au nom de Jésus. Oh Dieu d'Israël. Non, Dieu est magnifique. Tu vas témoigner Dieu. Hein? C'est bon? C'est bon. Gloire à Dieu. Tu vas témoigner, tu vas voir. Jesus. Oh Dieu de gloire. Dieu d'Israël. Oh mon Dieu. Oh. Jesus Christ. Ça va? Dieu t'aime beaucoup. Oh Dieu, consoler ma soeur. Dieu veut te consoler. Jesus. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Jésus fait des miracles. Jésus fait. Ça va? Ok. Tout le corps, ça va pas. Le Seigneur peut là. Qui le croit? Vous le croyez certainement? Oh Dieu de gloire! Lève ta main, ma soeur, lève ta main. Que la mort te quitte. Que la maladie te quitte. Que ce corps soit restauré. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Oh Jesus. Oh mon Dieu, mon roi. C'est bon. C'est bon. Peut faire quelque chose là? Jesus. Oh mon Dieu. Que ce jeune garçon, Seigneur, soit guéri, mon Dieu, mon roi. Jesus. Alléluia. Jesus. Alléluia. Oh. Oh. Yeshua. 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 Sur sa vie. Il va prêcher l'évangile, ce jeune homme. Comme un médecin, tu vas soigner les gens. Tu seras un grand médecin. Dieu me montre ça. Je ne sais pas ce que tu veux faire, mais le Seigneur va te surprendre. Wow! Oh. Jésus, ta vie, ma vie a été créée par toi et pour toi, Jésus. Oh. Amen. Quel âge as-tu? 9 ans. 9 ans, ça va aller, mon grand. Oh, alléluia. Seigneur, bénis cet enfant au nom de Yeshua. Jesus. Oh, Seigneur mon Dieu. Tu aimes Jésus? Oui. Regarde. Dieu t'ouvre l'intelligence là. Tu vas défendre les autres comme un avocat là. Alléluia. Dieu t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup le Seigneur. Oh, alléluia. Tu aimes les animaux? Hein? Oh, alléluia. Jesus Christ. Jesus Christ. Sois béni. C'est bon. C'est bon. Quel ami fidèle temps. On va prier pour toi, viens. J'aime beaucoup, alléluia. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a?
tu la lâches. Que la mort te lâche. Maintenant, nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Ô Dieu de gloire. Ô Dieu d'Israël. Dieu peut faire quelque chose pour elle. Vous croyez, non? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il connaît nos défaillances. Magnifique. Magnifique le Seigneur. C'est bon. Ça va aller. Alléluia. Sois fortifié. Gloire à Dieu. Venez tous les deux pour prier. Jesus, quitte ce corps là, quitte ce corps. Quitte-la. Quitte-la au nom de Yeshua. Oh Dieu de gloire. Venez, venez. Venez, votre priorité là. Pas de solution, pas de guérison. Oh Seigneur mon Dieu, que ce corps, que ma soeur soit guérie maintenant. Tu vas lâcher ma soeur, tu vas lâcher ce corps au nom de Yeshua. Quitte ce corps, quitte. Quitte ce corps au nom de Yeshua. C'est un petit serpent qui est là-dedans, là, qui ronge à l'intérieur. Lâche-la, 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 voilà. Tu la lâches, 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 lâche-la, lâche-la. Une malédiction familiale là, que Dieu brise là au nom de Yeshua. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, Dieu de gloire, Seigneur, merci pour son corps que tu guéris, papa, au nom de Yeshua, Jesus Christ. Oh, vous pensez que le Seigneur peut la guérir là? Oh frères et sœurs, mon Dieu, oh Dieu de gloire, Dieu t'aime, hein? Bouge tes jambes comme ça. Béni soit le nom. Oh Dieu de gloire. Jesus. Jésus. Oh Jesus Christ. Jésus Christ. Genou. Quitte ce corps. Quitte-la. Quitte-la. Sorcellerie. Voilà. Allez, sors. Sors d'elle. Voilà. Sors d'elle au nom de Yeshua. Chut. Chut. On a envoyé un petit sorcier pour la détruire à petit feu. Un petit sorcier. Oh, Jesus Christ. Cet esprit va lâcher ce corps. Voilà. On acclame le Seigneur. Sors! Quitte ses yeux! Maintenant! Sors d'elle au nom de Yeshua! Allez! Allez, go! Allez, go! Go! Jesus! Oh, mon Dieu! Oh, mon Dieu! Jesus Christ. Qui s'appelle Papi ici là? Qui connaît Papi ici là? Jesus Christ.
Oh Dieu de gloire. Jesus was. Hein? Il y a papy ici là? C'est toi? C'est toi? C'est ton prénom? C'est pas grand-père, hein? Hein? Jesus. Hein? Jesus was. Alléluia. Sors d'elle. Allez, sors. Voilà. Allez, sors d'elle. Sors d'elle, l'esprit de myopie. Sors, quitte-la. Voilà. Allez, quitte ma soeur. Quitte-la. Sors d'elle, quitte ses yeux. C'est un démon. C'est un démon. Au niveau de ses yeux. Allez, remonte. Voilà. Allez, go. Go. Au nom de Yeshua. Sors d'elle au nom de Yeshua. Voilà, tu es là. Je sais que tu es là. Quitte ses yeux et qu'elle voit distinctement maintenant au nom de Yeshua. Parce que Jésus est trop fort. Jésus guérit. Jésus sauve. Au nom de Yeshua. Voilà. Oh mon Dieu. Tu quittes ses yeux, démon. Tu m'entends, tu sais. Tu as été vaincu et tu le sais. Tu vas quitter ses yeux. Elle va voir distinctement. Elle va témoigner la gloire de Dieu. Je chasse l'esprit de cécité, l'esprit d'aveuglement au nom de Yeshua. Jesus Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Vous croyez que le Seigneur peut guérir comme ça là? Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Une belle onction là, de guérison là, de délivrance là. Au nom de Yeshua. Jesus. Jesus. Jesus Christ. Jesus. J'ai combien de doigts ici là? Jesus Christ. Combien là? Combien là? Jesus. 2, 3, 5, 1. Jesus. 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 C'est bon. Gloire à Dieu. Jésus est trop fort. Les deux pieds. Ben reste assise, il n'y a pas de problème. Oh mon Dieu, mon roi. Là aussi, là. C'est bon, c'est bon. Ah ouais, c'est bon, c'est réglé. C'est réglé. Ouh, c'est réglé. Nous te donnons gloire. Papi, 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 papi. L'esprit insiste encore. Papi, papi, papi. Cours ici, là, on acclame. C'est ton prénom? Hein? Hein? Ah, c'est comme ça qu'on t'appelle avec des orphelins. Viens. Un miracle pour toi, là. Dieu te... Comme tu as demandé à la crainte de son nom, la sainteté. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus. Oh, il y a une onction ici. Jesus. Oh, alléluia. Jesus. Jesus. Alléluia. Il y a une onction ici, là, mes amis, là. La sainteté. Jesus. Jesus. Il n'y a pas besoin de parler, c'est bon. Le Seigneur sait. Jesus. Jesus. Oh! Toute ta famille va être touchée par le Seigneur. Sauvée, guérie par le Seigneur au nom de Yeshua. Dieu a vu tes pleurs, tes larmes pour ta famille, pour ta maison au nom de Yeshua. Avant la fin de cette année, Dieu va répondre à tes prières. C'est bon, c'est réglé. Alléluia. Tu es marié? Tu as une copine? Ok. Jesus. Tu as une copine? Maintenant là. Jesus. C'est bon. C'est bon. Là, c'est bon. Dieu va te surprendre. Alléluia. Viens me voir à la fin là, un peu là. C'est par là-bas. C'est par là-bas. Ben, est-ce qu'on l'a marié? On l'a épousé? Lève tes mains. Quitte-la. Quitte-la. Ouais, il est là. Quitte-la. Chut. Chut. Elle est mariée à deux hommes la nuit. Deux hommes qui sont là. Et on se sert de son esprit pour aller avec d'autres sorciers la nuit.
Voilà, vous avez vu ça, hein? Les gens souffrent. Hein? Quittez-la au nom de Jésus de Nazareth. Allez, quittez-la. Quittez-la. Allez, quittez-la. Quittez-la. Voilà. Allez, quittez-la au nom de Yeshua. On acclame le Seigneur de gloire. On va continuer à prier. Quittez! Quittez! Allez, quittez! Go! Allez, go! Allez, go! 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 Allez, sortez-moi. Sortez de ce corps-là. Et ne revenez plus jamais, démon. Il y a aussi quelqu'un de la famille que tu connais très bien, qui est sorcier et qui la viole la nuit, qui cache son visage, qui est là. Tu vois ça? C'est là au niveau de son ventre, là. Quelqu'un de la famille fait la sorcellerie. Esprit de sorcellerie, allez, sors! Sors d'elle! Au nom de Jésus! Là, c'est la sorcellerie. Cet enfant, on vole son intelligence. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je casse ce mariage nocturne. J'annule ce mariage nocturne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fini. Je proclame le divorce d'avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, c'est fini. Ce n'est plus ta femme. Ce n'est plus ta fille, ce n'est plus ton enfant. C'est fini, c'est fini, c'est fini au nom de Yeshua. On acclame le Seigneur. Ouais, ben c'est parce qu'il y a beaucoup de sorcellerie dans la famille. Ressort au nom de Jésus. Sors, sors, quitte ma soeur. Fini, quitte cette femme. Jesus Christ. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu d'Israël. C'est fini, c'est bon, c'est réglé. C'est fini. Qu'est-ce que tu veux, mon grand? Ça va? Tu veux la prière? Pour toi? C'est quoi? J'aimerais que ma soeur, elle guérisse parce qu'elle s'est brûlée. Ok. Elle est là, elle est ici? À l'hôpital. Amène-moi l'huile d'onction. Tu dois l'appliquer sur elle. Au nom de Jésus-Christ, après ça va, Dieu va se glorifier. Okay. Qui veut abandonner la sorcellerie? Qui lève sa main? Il n'y a pas de honte. Si tu ne veux plus faire des sorties astrales la nuit, c'est toi ma soeur, tu veux abandonner la sorcellerie? Qui t'a initié? Viens. Qui d'autre? Qui d'autre qui sort la nuit, qu'on sort la nuit, qui veut abandonner? Viens. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. Qui d'autre? Qui d'autre? Ma soeur, est-ce que tu veux abandonner cette béquille définitivement? Est-ce que tu veux marcher sans béquille jusqu'à la fin de tes jours? Tu crois que le Seigneur peut te guérir? Oh! Ceux qui veulent abandonner la sorcellerie, n'ayez pas honte, il y en a d'autres ici là, venez. N'ayez pas honte, le Seigneur veut vous sauver, il n'y a pas de honte à avoir. Faites honte à Satan. Dieu m'a poussé tout à l'heure à prier pour vous parce qu'il veut vous rendre libre. Oui, neurologique, tout ça. Ok, tout ça là, le Seigneur est capable de tout faire, de tout guérir, de tout soigner. Est-ce que vous le croyez? Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur guérit votre cerveau, votre corps, vos nerfs au nom de Yeshua. Gloire à Dieu au nom de Yeshua. Vous allez témoigner partout, la gloire de Dieu, c'est fini, vous pouvez partir. Ceux qui exercent la sorcellerie, n'aient pas honte. Venez. Il y en a deux déjà qui sont là. D'autres, venez, venez. C'est un appel que Dieu lance aujourd'hui. Au nom de Yeshua. Sorcier, c'est le temps d'être sauvé. Voilà. C'est le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour du salut. Ce n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Qui d'autre? Qui d'autre? Au nom de Yeshua. Oh Yeshua, merci mon Dieu. Levez vos mains. L'onction du Saint-Esprit va venir sur vous, va vous libérer du satanisme, de la sorcellerie. Frère, prions pour ces personnes. Quittez! Voilà. Quittez!
maintenant, Jésus. Je dis sorcier, esprit de sorcellerie, allez, sortez, sortez de ce corps. Allez, sortez. Allez, sortez. Allez, sortez. Sortez. Sortez, quittez-moi ce corps. Quittez ce corps. Allez, allez, sortez. Sors de ce corps. Sors. Sors d'elle. Au nom de Jésus. Sors d'elle. Au nom de Yeshua. Sors. Sors. Serpent, quitte. Au nom de Jésus, sors. Amen, gloire à Dieu. C'est réglé. Amen, gloire à Dieu, c'est réglé, c'est bon. On acclame le Seigneur pour elle. Oh, Dieu de gloire, alléluia, alléluia. Quitte ce corps au nom de Yeshua. Allez, sors. Jesus Christ. Ça va. D'accord. D'accord. Ben, le Seigneur t'a quand même. Ouais, c'est bon. Il t'a libéré, gloire à Dieu. Amen. Magnifique le Seigneur. Elle va plus sortir la nuit là-bas, là. C'est fini là. Les ailes sont coupées. Plus de vol la nuit là. Ok. Oh Jesus Christ. Quitte ce jeune homme. Sors. Quitte-le. Voilà. Sors. Un boa qui fait au moins 15 mètres qui est là-dedans. Là. Et là, c'est un boa. Ce jeune homme là, vous allez voir, il va vomir ce boa là. Allez, sors de là. Sors de là. Sors de là. Voilà. Vous avez vu ça? Vous voyez un jeune homme comme ça là, possédé jusqu'aux os. Et un démon qui veut l'amener à pratiquer toutes sortes de sexe. Toutes sortes de sexualités. Sors d'elle au nom de Yeshua. On acclame Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est trop fort. C'est un démon terrible qui est là. Là. Tu avais dit ça? Ah, c'est un démon terrible qui veut l'amener à pratiquer, comprenez, le sexe bizarre, là, bizarrement. Là. Là, c'est ça, là. Tu vas te marier avec une femme. Tu auras des enfants. Je prophétise ça au nom de Yeshua. Jesus Christ. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu d'Israël. Ma soeur, c'est fini la sorcellerie, c'est bon. Lève-toi et rentre dans ta maison avec Jésus-Christ de Nazareth. T'as vu comment elle est fatiguée? Parce qu'elle est nettoyée. Oh, on peut acclamer le Seigneur de gloire. Alléluia. Ouh! Avant, on avait peur des sorciers. Maintenant que Jésus est à la croix, et qu'il est mort et ressuscité, oh, nous marchons sur le diable. Hein, mon grand? On dit quoi? Alléluia, gloire à Dieu. Magnifique le Seigneur. Alléluia. Jesus Christ. Viens, 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 viens. Mon grand, tu veux prier pour elle, mon frère? Il a un don de guérison, là, tu vas voir. Je vous dis, c'est ça le royaume. Il craint Dieu, il est là. C'est ça le royaume, frère. C'est glorieux. Jesus Christ. Oh, non, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Seba, un Congolais ici. Seba, on l'appelle Seba. Seba, Seba. Au nom de Yeshua. Qui connaît un Seba ici, là? Dieu veut restaurer là, tout ça, là, au nom de Yeshua. C'est qui? Ah? Ok. Ici, si, là, il n'y a pas encore, là, il n'y a pas un Seba. Je crois qu'il nous suit, là, tout ça, là. J'aimerais prier pour lui, là. Il faudrait qu'on nous appelle. C'est fini. Voilà. La nuit, maintenant, tu vas dormir normalement. Au nom de Yeshua, gloire à Dieu. Ça va, mon grand? Oui. Oui. Comment tu t'appelles? Josué. Josué. Oh, Josué. Dieu est bon. Jesus Christ. Alléluia. Que Dieu te guérisse, Josué. Hein? Alléluia. C'est bon? C'est réglé. Jesus Christ. Alléluia. Oh, mon Dieu, mon roi. C'est bon. Ça va? Jesus. On vous touche seulement au nom de Yeshua. C'est réglé. C'est comme ça que ça se passe. C'est bon, c'est réglé. Jesus Christ.
Mon grand, ça va? C'est quoi? T'as mal là? Vous pensez que le Seigneur peut le guérir là? Jesus. Jesus. Là, t'as mal là? Depuis quand? Depuis tout à l'heure? Regarde, nous prenons ce mal là. Nous le jetons dehors. Au nom de Jésus. Dehors, au nom de Yeshua. Fais ça. Jesus. Touche. Jesus. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu de gloire. Voilà. Ce mal est parti là. On a dit chaud. Regarde, touche encore le mal là. C'est comment? Viens, reviens. C'est comment? C'est bon. C'est parti? Ouais. Ouais. Alléluia, ouais. Ouais, amen. Avec Jésus, c'est toujours le ouais. Tu vas beaucoup chanter pour le Seigneur. Prépare-toi, jeune fille. On va prier pour toi. C'est Seba, là? Isabelle qui appelle. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va pas, mais... Ça va pas. Est-ce que tu penses que ça peut aller avec le Seigneur? Oui. On va prier pour toi. Tu appelles d'où? De saint. Lieu saint. Ah ben Dieu va te... C'est ça, non? Dieu va te sanctifier au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Oh Seigneur, que ma soeur soit guérie au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. Au nom de Yeshua, sois guérie. C'est bon, c'est réglé. Ben c'est bon. C'est bon. Vous savez, pour la guérison, il n'y a pas besoin que les gens soient secoués, tout ça là. Non. On vous touche, vous partez. C'est tout. C'est tout. Vous le croyez, non? Hein? C'est bon, c'est réglé. Regardez, c'est réglé. C'est bon, c'est réglé. Don de prophétie, voilà. Après la délivrance, Dieu te remplit la prophétie, là, au nom de Yeshua. C'est bon, c'est réglé. Hein? Ben, c'est bon, les enfants, tu veux les enfants? À la fin, on va pouvoir parler avec toi. Jesus, ouais. Alléluia. Sois guéri, au nom de Yeshua. Oh, mon Dieu, mon roi. Mm-hmm. Le dos aussi, c'est la totale quoi. C'est tout le corps là qui est combattu là. C'est bon. Gloire à Dieu. C'est gratuit. Amen. Mon grand, ça va? Non, pas très bien. Pas très bien. En fait, on a des problèmes au niveau famille, tout ça. Beaucoup de problèmes en vrai, de tout quoi. Vous inquiétez pas, on arrive, hein, y a pas de souci. Financièrement, la santé. Tout ne va pas quoi. Rien ne va, rien ne va. La tristesse. D'accord. Bah lui, il a souvent mal aux genoux aussi. Tu fais du sport? Du sport, tu fais quoi? Du hand. Ok, mon grand. D'accord. Vous aimez Jésus, là? Vous aimez Jésus? Oui. Alléluia, gloire à Dieu. Vous pensez qu'il peut vous guérir, là? Oui. Hein? Déjà, il a comment? Eh ben, il a déjà fait du hand. Tu vois, je le reconnais en plus, c'est bien. Oh, alléluia. Une onction de guérison, là. Alléluia. Oh, alléluia. Jesus Christ. Alléluia, Jesus. Alain, mon frère, tu peux prier pour la famille, là? On a dit, ça va aller. D'accord. Blocage, mal aux épaules, au nom de Yeshua. Vous pensez que le Seigneur peut guérir cet homme? Alléluia. Oh, alléluia, Jesus Christ. Le Seigneur va briser la timidité. Le Seigneur va te sortir de ton cocon parce que tu as des choses à faire pour lui. Plus personne ne doit te minimiser. Le Seigneur te dit, j'ai mis des perles en toi. Et je veux me révéler à toi comme un père. Je ne sais pas ta relation avec ton père, mais Dieu veut être son papa plein d'amour, plein d'attention vis-à-vis de toi. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Il va vraiment te diriger. Il va briser la timidité. Il va te sortir de ce cocon afin que tu le serves au nom de Yeshua. Et il va de plus en plus te pousser à méditer sa parole. Et lui-même me dit, il va t'enseigner sa parole au nom de Yeshua. Tu aimes beaucoup aider les gens, tu aimes beaucoup aider les autres, tout ça là. Et tu es prêt à rendre service. Le Seigneur t'a donné ce cœur là. Tu as le cœur sur la main là pour pouvoir aider. Il va donner vraiment les moyens là pour pouvoir aider les autres. Il va faire de toi de plus en plus un père, même pour des enfants que tu n'as pas eu. Le Seigneur va vraiment t'établir comme un conseiller pour aider les autres. Et le Seigneur débloque ton cœur et brise toutes sortes de chaînes au niveau de ton foyer pour que sa gloire se manifeste au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Mal au dos. Tu viens ici. On va prier là-bas.
Vous partagez, le mari est où? Il vient de passer tout à l'heure? Ah, ok, d'accord. Ok, on va lui faire une onction d'huile tout à l'heure. Hein? Donc, attends, à la fin, on va lui faire une onction d'huile. Ça va? La guérison, pour la guérison, juste la guérison. Et Jésus, tu l'aimes, le Seigneur? Tu l'aimes? Tu crois que si elle prie pour toi, tu peux être guéri? Ben, Aurélie va prier pour toi. Alléluia, gloire à Dieu. Oh! Vous pensez que Dieu peut la délivrer, frères et sœurs? Qui le croit? Levons nos mains, prions. Sors d'elle! Voilà, sors d'elle, voilà. Célibat. Quitte ma sœur, tu m'entends? Voilà, allez, quitte-la. Sors d'elle, voilà, tu es là. Allez, sors. Quitte-la, voilà, sors d'elle. Marie, sors, serpent. Quitte ma sœur, au nom de Yeshua. C'est un démon qui est là, frère. Il va partir, il va la lâcher. Tu vas lâcher ses enfants que tu retiens, tu vas lâcher son mariage que tu retiens. Sors d'elle, au nom de Yeshua. Mon frère Serge, on va mettre le feu encore là. Alléluia, au nom de Yeshua. Ça va sortir là, au nom de Yeshua. Ça va sortir, au nom de Yeshua. Ça va sortir, au nom de Yeshua. Jesus Christ. Oh, Dieu n'a pas changé. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, mon Dieu, mon roi. Quitte ce corps là, quitte ce corps. Voilà, quitte ce corps. Quitte là. Toi qui amènes le trouble, quitte là. Jesus Christ. Oh, mon Dieu, mon roi. Quelqu'un est guéri sur le problème des reins. Tes reins sont vraiment... Hein, fonctionnent à 50%. On te l'a dit il n'y a pas longtemps. Le Seigneur me dit que tu es guéri. À plus de 100%. Il te donne les reins d'un enfant de 3 ans. Là, tu vas voir ça. Jesus. Alléluia. Tu vas venir témoigner ici la gloire de Dieu. C'est réglé. C'est réglé. Je ne sais pas ce que c'est, mais Dieu me dit c'est réglé. Le Seigneur est trop fort, c'est magnifique ça. Ouh. Mm-hmm. C'est pas normal ça. C'est pas normal. La nuit, c'est pas pour. Non. Vous pensez que le Seigneur peut. Mon frère Alain, on va prier là au nom de Yeshua. Jesus, parce qu'elle vient de loin là, avec sa famille là. Sors! Au nom de Yeshua. Tendons nos mains vers elle, mes amis là. Oh Dieu d'Israël. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu de gloire. Que cet enfant soit guéri. Que cet enfant soit restauré. Et une onction prophétique sur toi. Jesus Christ, alléluia, Jesus. Oh alléluia, une onction la prophétique là. Il y en a pas mal ici que Dieu va utiliser dans ce domaine, la prophétie là. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Oh alléluia. Oh alléluia. Belle onction prophétique là. Ouh. Jesus Christ. C'est bon, c'est réglé. Ça va, c'est toute la famille là? Oh. Vous allez bien? Hein? C'est pas normal ça quand même là. Oh, quitte-la. On acclame le Seigneur. Sors d'elle. Sors. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Voilà. Quitte, démon. Quitte ma soeur, c'est un démon qui est là. Oh mes amis, vous voyez comment tu es fait là mes amis là. Les démons là, Aurélie on va chasser ce démon là. Allez sortez de la famille, allez quittez. Quittez les enfants, il y a une onction sur elle. Ouh là là, une onction prophétique sur elle là. Regardez ce que Dieu fait avec elle là, c'est magnifique frères et sœurs. Jesus Christ. Ouh, Jesus. Il y a une onction sur ces enfants là. Oh mon Dieu, mon roi. Jesus Christ, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Jesus, ça va toi? Oh Seigneur, bénis cet enfant au nom de Yeshua. Alléluia, Jesus Christ. Oh, Dieu est magnifique. Ça va aller, hein? D'accord. Ça va toi? Ça va aller. C'est bon. Dieu est bon. Hein? Oh, reviens encore la jeune fille là. Toi tu vas beaucoup chanter pour le Seigneur. Tu vas beaucoup exhorter les autres. Au nom de Yeshua. Dieu va commencer à se révéler à elle. Il y a vraiment un appel sur sa vie là, particulier là. Jesus Christ. Oh alléluia. Jesus, c'est magnifique. 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 Magnifique.
Là-bas, là, venez par ici. Là. Ça va, mon grand? Alléluia. Jesus. Alléluia. Oh, Jesus. C'est bon. Jesus, c'est bon. Au nom de Yeshua. C'est bon. T'as mal là? Non? Mal là? C'est bon. C'est bon. C'est réglé. C'est pas normal ça. Ça, c'est pas normal. C'est un dorlis. Lâche ma soeur. Lâche-la. Lâche-la. Quitte-la. Voilà. Quitte-la. Tu remontes et tu sors. Tu la lâches. Ce mariage est annulé. Mariage nocturne. Entre toi et elle. Entre toi et son esprit. Voilà. Tu remontes et tu t'en vas. Voilà. Tu remontes. On pratique le vaudou sur toi là pour t'abîmer, pour te détruire. Le Seigneur te libère de cette puissance démoniaque impure. Allez, sors. Voilà. Allez, sors, dorlis. Sors. Oh, Dieu de gloire. Allez, dorlis. Tu sors. Sors d'elle. Sors d'elle. C'est un dorlis. Il a peur, il a peur. Oh, Yeshua, une onction de guérison là. Jesus Christ. Sors d'elle. Sors d'elle. Voilà. Il s'en va là. Avec la colère, tu t'en vas. Go! Jesus, c'est bon, c'est réglé. Jesus. D'accord. Ok. Vous pensez que le Seigneur peut guérir mon frère là? Vous le croyez, frères et sœurs? Qui le croit? Le Seigneur n'a pas changé, n'est-ce pas? Vous êtes fatigué déjà là? Oh, alléluia, Jesus Christ. Oh, alléluia, alléluia. Gloria bashala la baka. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur, merci, merci mon Dieu. Merci pour le miracle. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jesus Christ. Oh, alléluia, Jesus Christ. Oh, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Comme David, le Seigneur veut que tu enseignes de plus en plus sa parole. Tu vas de plus en plus enseigner la parole à ton entourage, de plus en plus. Le Seigneur va vraiment te donner l'intelligence pour pouvoir le faire, les moyens, les capacités pour pouvoir le faire. Au nom de Yeshua. Et tu vas conduire, je te vois conduire des gens, conduire, partager, aider, soigner. Et il y a des gens qui viennent te voir, qui viennent te voir pour te conseiller de plus en plus. Le Seigneur va vraiment te donner les moyens pour pouvoir toucher les païens, même les plus durs. Dieu va te donner la force nécessaire pour pouvoir les toucher au nom de Yeshua. Alléluia, alléluia, Dieu. Alléluia. Tu vois, vraiment, cette maison sera de plus en plus une maison de prière. Là, je te vois enseigner la parole de plus en plus. Là, le Seigneur te dit, je t'établis comme David dans ta maison. Alléluia. Pour éclairer mon peuple, pour éclairer mes enfants. Au nom de Yeshua. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce problème-là, voilà, c'est fini, c'est réglé. Ouh, alléluia. Dieu est magnifique. Waouh. Waouh. Ça va? Il n'y a pas de problème. Le Seigneur sait. Amen. Jesus Christ. Alléluia. Ouh. Donc, sur la surelle, mes amis, là. Jesus Christ. Jesus, c'est une onction là sur toi là. Ne te minimise pas parce que le Seigneur te connaît. Alléluia, que personne ne te minimise. Le Seigneur te dit, je veux me servir de toi pour toucher les autres. Oui, je veux me servir de toi, mon enfant. Tu es ma princesse, te dit le Seigneur. Tu es ma perle, ma perle, ma perle, ma perle. Oh, alléluia, gloria, bashakalabarabaka. Une onction là de guérison là. Tout ça là. Tu vas avoir des bébés être guéris au nom de Yeshua. Le Seigneur va vraiment se servir de toi pour guérir les enfants là au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Il te donne la force pour dire non aux pensées que l'ennemi peut t'envoyer là au nom de Yeshua. C'est ce qu'il me dit là, le Seigneur, là, des pensées que l'ennemi t'envoie hein, pour t'écraser, là, t'écrabouiller. Il te dit bannis la peur, bannis ces pensées impures là. Au nom de Yeshua, mon enfant là. Et une onction sur toi là. Oh, il y a une onction là, mes amis là. Jesus Christ. Oh, alléluia. C'est magnifique, Laurent, là, ce que Dieu fait là. Ouh, alléluia. Magnifique, le Seigneur. Vous allez bien là? Oh, le Seigneur vous a bien. Je prie encore pour vous là. Dieu va vous remplir de son onction là. Alléluia, gloire à Dieu. Ça va? Partout, et puis j'ai la fibrome qui. Je veux que ça parte. Vous pensez que ces fibromes peuvent disparaître là? Qui croit cela, frères et sœurs? Est-ce que vous voulez qu'on fasse une prière pour que le Seigneur opère notre sœur? Prions, prions au nom de Yeshua. Jesus Christ. Alléluia. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu d'Israël. Sors de là. Sors de ce corps, maladie. Au nom de Yeshua, c'est fini, c'est réglé. Alléluia. Je veux prier que le Seigneur vous remplisse de son onction, de son esprit, afin que vous évangélisiez partout, que vous témoignez de sa gloire. Et le Seigneur vous donnera de plus en plus des songes prophétiques, des visions. Au nom de Yeshua, alléluia, sur la jeunesse, sur vos amis, tout ça à l'école. Le Seigneur va vraiment servir de vous pour témoigner de sa gloire, au nom de Yeshua. Vous croyez que le Seigneur peut vraiment les remplir, la frères et sœurs là? Non, alléluia, Jesus Christ, c'est une onction là. Mes amis, choix de gloire, Dieu d'Israël, soyez bénis, guéris
au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Soyez bénis. D'accord, on a prié là, c'est déjà bon. Amen. Le Seigneur est bon, il est au contrôle. Alléluia, gloire à Dieu. Ok, tes cheveux ne poussent pas. Vous pensez que tes cheveux peuvent pousser? Qui le croit, frères et sœurs? Tu crois que le Seigneur peut le faire? Alléluia. Jesus. Tout est possible à celui qui croit. Mais elle a cru. Elle a cru. Cheveux repoussés. Au nom de Yeshua. Regardez-la bien la prochaine fois que vous allez la revoir là. C'est réglé. God bless you. Hein? C'est une Irlandaise. Hein? Irlande. Hein? Alléluia. Oh. Oh Seigneur. Donne-moi l'huile d'onction là. S'il vous plaît. C'est une servante de Yahweh. Après cette prière, vous allez voir vous-même. La dernière fois, je l'ai vu prendre le balai, faire le. Personne lui a demandé, elle faisait le ménage. Je me dis, waouh! Mon papa nous regarde en ce moment. Il m'a dit, va et libère mon peuple. Mon Dieu que je sers te fait grâce aujourd'hui. Cette maladie-là, tout ça, là, ça disparaît. Au nom de Jésus. Fini. 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 Sois guérie, jeune fille. Sois guérie. C'est fini. Il s'appelle Loïc Merci. Il s'appelle. Il s'appelle. Oh, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle, il s'appelle. Mon Dieu, il s'appelle, mes amis là. Il s'appelle Yeshua. Ouh! Il y a quelque chose pour votre famille là. Oh, alléluia. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas t'avoir, te dit le Seigneur de gloire. Ils ne pourront pas t'avoir parce que tu as pleuré pour la famille. Tu amènes la délivrance dans la famille. Tu amènes la restauration au nom de Yeshua. Tu verras la gloire de Dieu se manifester au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Dieu essuie tes larmes, femme, au nom de Yeshua. C'est ton temps, c'est ton temps. Voici ton temps. Toute la famille, personne ne peut tuer tes temps. Oh, mon Dieu. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. C'est l'heure. Father, we love you, Lord, my God. Oh, amen. Kombo na yo Yesu. Mobali nanga. Je l'aime. Il y a une onction ici, là. Mes amis, là. Jesus. Oh. Il y a quelque chose de fort ici. La joie du Seigneur. Ouh. Regardez-moi la joie que Dieu lui donne, mes amis. Oh. Alléluia. Acclame Dieu. Oh. Jesus. Oh. Oh, mais c'est quelque chose ici là. Woo! Jesus. La joie, la force du Seigneur. Oh mon Dieu, tu enlèves la tristesse de vous. Est-ce qu'on peut lui faire un coucou au Seigneur? C'est réglé. Jesus. Guéri. Soigné. Sors. Allez, sors. Sors. Oh, Dieu de gloire. N'est pas de la sorcellerie. Ouais. Celui qui est attristé, Dieu peut lui donner la joie. Bah oui. Faut pas voir le diable partout.
On ne provoque rien ici. Dieu fait ce qu'il veut. Voilà. Waouh. Oh Dieu de gloire. Oh Dieu d'Israël. Ce jeune homme à l'appel de Jérémie. L'appel de Jérémie. Dieu te donne des rouleaux pour annoncer l'évangile, pour proclamer l'évangile. Il me dit qu'il t'a mis à part depuis le sein de ta mère pour lui. Il est jaloux. Il est jaloux, il ne veut pas que les gens te touchent. Le Seigneur te garde, te gardera encore. Et bientôt, il va te dire exactement ce qu'il attend de toi. Exactement ce qu'il attend de toi. Tu ne peux rien faire. Quoi que tu fasses, Dieu te gardera pour ne pas que tu ailles de l'autre côté. Il te gardera jusqu'au bout. Il va t'ouvrir une porte que personne ne pourra fermer. Il va répondre à tes questions, des questions que tu te poses. Il va répondre à ces questions. Et il te dit qu'il existe, il est tout puissant, il règne à jamais, il règne à jamais. Il te restaure, il te soigne en profondeur. Il est ton père. Il te dit l'heure de la visitation arrive pour toi. Prépare-toi à sa rencontre au nom de Yeshua. Et tu vas beaucoup voyager pour lui. Apprends l'espagnol encore, apprends l'anglais encore. Tu vas parler de ma part dans ces nations au nom de Yeshua. Prépare-toi, jeune homme. Oh, Dieu l'aime, Dieu l'aime, Dieu l'aime, Dieu l'aime, Dieu l'aime, Dieu l'aime. Comme tu n'aimes pas, tu veux voir, tu veux découvrir, tu veux que Dieu lui-même, il va se révéler, c'est ce qu'il vient de te dire. Il va se révéler. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est lui qui t'a convoqué ici pour te parler ainsi au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Ton avenir est entre ses mains. Ton avenir est entre ses mains. Entre ses mains. Jesus. Oh, alléluia. Jesus. Une onction sur toi là. Jesus. Oh, alléluia. T'as assez pleuré, ma soeur. Tu as assez pleuré. On t'a fait souffrir. On t'a fait pleurer. Je te dis, ma fille, je te console. Je te console. Je t'aime, ma fille. Je t'aime, ma fille. Tout l'honneur. Tout l'honneur. Il y a quelque chose. Tu as assez pleuré. Tu as assez pleuré, mon enfant de Dieu, Seigneur. Tu as assez pleuré. Personne ne peut toucher à ses enfants là. Personne ne peut toucher à ses enfants là. Ma main est sur les enfants. Faisons-lui un coucou. Oh Dieu. Le pouvoir à qui? Saint-Père, mon sauveur, oh Dieu. C'est un prophète. Alléluia. Dieu est bon. Femmes stériles. Les femmes stériles, touchez vos ventres. Les femmes stériles, touchez vos ventres. Dieu vous accorde sa grâce, les enfants, au nom de Yeshua. Les femmes qui ont le fibrome. Dieu les enlève. Au nom de... Il y a une délivrance là. La mort. Tu vas pas mourir. Non, non, non. Mon Dieu que je sers, te donne la vie. T'accorde la vie, ma sœur. Que la mort te lâche. Maintenant. 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 Quitte-la. 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 Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Que la mort te lâche.
quelle souffrance. Quelle souffrance. Oh Père. Oh Père. Oh Père. C'est bon. Qui aime le Seigneur? Sida, quelqu'un ici a le sida. Oh, il y a des choses qui se passent là-bas. Le sida a disparu. Au nom de... Oh. Jesus. Oh Dieu. Sois guéri, ma soeur. Sois libéré, restauré, afin que tu témoignes la gloire de Dieu partout. C'est bon. Tu as reçu une enveloppe. Là. Dieu te donne une enveloppe. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais c'est un courrier pour toi. Voilà, une bonne réponse à ta prière. Au nom de Yeshua. Oh, il se passe des choses là. Jesus. Voici l'onction pour toi. Voici ton onction. Voici ton onction. Oh mon Dieu. Il y a une onction ici là. Il y a une onction sur moi là. Jesus. Il y a une onction sur moi. Aidez-moi, c'est pas, mais une onction ici. Il y a une onction ici. Oh, aidez-les. Aidez-les. Il y a une onction sur moi ici là. Aidez-les. Voici. Oh, voici. Il y a quelque chose là. C'est magnifique ce que Dieu fait. Voici la guérison. Voici la délivrance. Voici la délivrance. Voici. Voici. Il se passe de belles choses ici là. Elle veut servir l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu. C'est réglé. C'est réglé. C'est réglé pour toi aussi. Tu as beaucoup souffert, ma soeur. C'est réglé. Il y a une clé que Dieu te donne là. Ça ouvre cette porte là, au nom de Yeshua. Oh. Oh. Impose-lui seulement les mains. Il n'est pas ici. Le Seigneur s'en occupe. Wow. Vertige. Quitte-la. 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 Voilà. Quitte-la. Quitte ma soeur. Quitte-la. 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 Jetez-la. Allez, sors. Voilà. Sors. Au nom de Yeshua, sors. Allez, quitte-la. Voilà. Remonte et sors. Voilà. C'est un démon là. Il s'en va là. Dis à ton voisin, tu es là. Sors démon, nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle. Le bras de tout ça là. Vous pensez que le Seigneur peut guérir cette soeur là? Jesus Christ. Quitte, allez sors. Sors, quitte ce bras là. Jesus. Oh, lâche-la. On a mis sur elle un drap noir, tout noir. C'est l'envoûtement. Sors nom de Jésus de Nazareth, on acclame le Seigneur. Wow. Il se passe de belles choses. Oh mon Dieu, tu veux servir Dieu? Tu veux servir Dieu? Eh bien, il veut te remplir de son esprit de Dieu. L'esprit de feu. Alléluia. C'est bon, c'est réglé. Jesus Christ. Alléluia. Waouh. C'est beau. Dieu veut visiter ta famille. Dieu veut te visiter. Au nom de Yeshua. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à composer des chants de la part du Seigneur. Tu vas commencer à recevoir des cantiques, des chants au nom de Yeshua. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. 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 Il y a des délivrances ici, là. Là, c'est un esprit de franc-maçonnerie. Voilà. Sortez le nom de franc-maçonnerie. Chassez la franc-maçonnerie là. Oh Dieu d'Israël. Ça va? Tu as quelque chose à dire? Pour ta maman? Ouais?
Viens, toi viens. Pour elle, ce n'est pas son problème, ce n'est pas ton problème. Dieu veut que toi tu viennes. Ouais, c'est toi, mais c'est elle qui veut qu'elle vienne. Je fais ce que Dieu me dit de faire. Pour ton cas, le Seigneur s'en occupe. C'est bon. Dieu t'appelle, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle, il t'appelle, mon Dieu. Oh. Elle a une épée que Dieu lui a donnée. Elle prophétise aussi, non? À la maison, mais c'est l'épée, c'est la prophétie. Ouais, je sais pas. Oh mon Dieu. Toi, non? Le Seigneur marche et toi, tu es à côté. C'est une grâce. Garde cette grâce-là. Ça va? Ce qu'il a à faire avec toi. Ok. Oh Seigneur, merci pour ce jeune homme. Fais ce que tu veux avec sa vie. Fais ce que tu veux avec lui. Comme il te le demande, Seigneur, aujourd'hui, au nom de Yeshua. Jesus Christ. Alléluia. Oh mon Dieu, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Il y a un appel sur vous là. Il y a un appel sur vous pour la mission. Pour la mission. Pour la mission, les nations, les îles. Tout ça là. Dieu vous appelle. Dieu vous appelle à son œuvre. Alléluia, alléluia. 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 C'est un chant nouveau. Dieu vous oint d'une onction sainte pour la jeunesse. Pour la jeunesse. Dieu met un fardeau sur votre cœur pour les perdus, pour les jeunes, pour les prostituées, pour les délinquants. Sa gloire va se manifester. Dieu va accomplir son plan dans votre vie. Dieu va toucher les cœurs les plus durs dans vos familles, les cœurs de pierre. Dieu va les transformer. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Il y a une onction de prophète sur vous. Jesus, 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 Jesus. Oh, il y a une onction sur toi pour la guérison, mon frère. Tu verras des guérisons terribles dans ta famille. Tu verras des guérisons terribles ici et là dans les hôpitaux. Au nom de Yeshua. Dieu t'a mis à part. Il vous a mis à part depuis le sang, le vent de vos parents. Pour sa gloire, pour sa gloire, pour sa gloire, pour sa gloire, pour sa gloire. Pour sa gloire. Pour sa gloire, il vous veut de la sainteté pour que sa gloire éclate encore. La religion vous fatigue. Vous ne voulez plus la religion. Vous ne voulez plus suivre n'importe qui, n'importe quoi. Dieu a mis cela en vous. Et Dieu dit, j'enverrai des jeunes. Je vous enverrai mes enfants. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Dieu vous a connectés ensemble pour son œuvre. Son œuvre se fera. Une église dans la maison, une plusieurs assemblées ici et là, les nations, les îles, Madagascar, tout ça, l'île Maurice, les îles, Dieu vous enverra partout pour annoncer l'évangile. Il vous a donné le bâton de commandement au nom de Yeshua. Dieu te dit, ma fille, je connais tes souffrances, je connais tes douleurs, tes larmes, même par rapport à ta vie passée, par rapport à ta famille, je rassemblerai les personnes dispersées. Je les rassemblerai. Dieu dit par toi, je vais amener l'unité, la paix dans la maison, dans ta maison. Au nom de Yeshua, c'est son plan pour vous. Son plan parfait s'accomplira. Vous chanterez pour sa gloire. Vous chanterez pour sa gloire comme David, avec des instruments, guitare, synthé. Apprenez davantage à jouer des instruments. Sa gloire éclatera. Au nom de Yeshua, oh Dieu de gloire. Oh, quelle appel sur vous. La France, les nations vous attendent, l'Europe. Au nom de Yeshua, acclamons Dieu pour eux, frères et sœurs. Sors, sors, sors de là, allez, sors, au nom de Jésus de Nazareth. Sors, allez, sors de lui. Sors de là, au nom de Jésus de Nazareth. Allez, sors, quitte cet homme. Au nom de Yeshua, quitte-le. Quitte-le.
Dieu veut servir de vous pour amener le réveil, un puissant réveil de la jeunesse. Dans toute la région d'Alsace, Dieu veut servir de vous. Vous irez de maison en maison dans les hôpitaux pour annoncer les ventes dans les rues, dans les bus, les trains, tout ça. Là, vous allez voir la puissance de Dieu éclater, se manifester. Au nom de Yeshua, alléluia, glory, shekatapa. Les visions que Dieu vous a données, les prophéties que vous avez reçues, vous le verrez s'accomplir, le Seigneur vous dit. Vous verrez ces prophéties, mes enfants, se réaliser au nom de Yeshua. C'est lui qui vous a attiré ici pour vous fortifier dans cette vision. Pour vous fortifier dans cette vision, là, au nom de Yeshua. Oh, alléluia, mon fils, te dit le Seigneur, tu vas écrire des livres de témoignages par rapport à tout ce que je te dis, par rapport à tout ce que je, comment je t'ai sauvé, comment je t'ai protégé. Je suis ton père, te dit le Seigneur. Ton père, fidèle. Je serai fidèle, fidèle à mes promesses, fidèle, fidèle. Oh, alléluia. Dieu, Dieu est magnifique, frères et sœurs. Il n'a pas changé, le Seigneur. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Jamais. Jamais. Le Seigneur veut éclairer ton cœur, jeune homme. Il veut éclairer ton cœur. Il veut de plus en plus te sortir de la distraction parce qu'il y a un appel sur ta vie. Il y a une étoile qui brille sur toi. Au nom de Yeshua, Dieu veut t'utiliser pour aider des jeunes qui sont dans les cités ici et là. Je te vois avec ta Bible, tout ça, la méditer. De plus en plus, Dieu met la soif de sa parole dans ton cœur. Au nom de Yeshua, Dieu te sortira, te sort de la religion, te sort des systèmes des hommes, afin que tu le témoignes partout au nom de Yeshua. Alléluia. Dieu t'enverra souvent aux Antilles pour aller proclamer l'évangile au nom de Yeshua. Il va se révéler à tes parents, il va se révéler à ta famille bien comme il faut. C'est ce que Dieu me dit de te dire, tout ça. Là, tu verras tes parents être visités par la puissance de Dieu. Tu verras les cœurs durs être visités par la puissance de Dieu. Tu verras cet homme, le Seigneur, je ne sais pas, Dieu va changer son cœur, changer sa vie là. Le Seigneur va vraiment servir de toi pour aider cette femme qui a beaucoup pleuré, beaucoup souffert. Le Seigneur te dit, je t'aime plus que tu le crois. Je te connais mieux que tu ne le penses. Au nom de Yeshua, on t'a invité, mais c'est moi qui t'ai invité ici pour te dire à quel point je te connais, je t'aime. Des femmes tournent autour de toi de plus en plus. Le Seigneur te dit, je veux que tu restes dans ma présence parce que je veux me révéler à toi. Au nom de Yeshua, alléluia, gloire à ton nom, Yeshua. Gloire. Ouh, il y a quelque chose là, mes amis là. Oh, Dieu de gloire, alléluia. Alléluia, Jesus. Alléluia. La jeunesse, je te vois marcher devant des jeunes, passer devant leur bâtiment d'église. Je vois ces jeunes quitter les assemblées. Je vois des rayons dans les parcs. Oh my God, alléluia, Jesus. Je vois des bâtiments d'église se vider. Pentecôtistes, baptistes, tout ça là. Je vois des pasteurs qui se lèvent contre toi. Dieu a mis sur toi l'esprit de lit, l'esprit de sainteté, de vérité, pour annoncer sa parole. Alléluia, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, la puissance de Dieu. Oh, alléluia. C'est dans la rue. Dieu me dit, tu es un homme de rue, tu le sais. La rue, c'est pour toi. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Ça va se passer dehors, Dieu dit. Dehors, 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 dehors. Vous n'allez plus aimer être enfermé quelque part là. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, Jesus Christ. Oh, alléluia, alléluia. Le Seigneur t'appelle, jeune fille. Oui, toi, Dieu t'appelle. Oui, Dieu t'appelle. Oui, toi. Tu n'aimes pas l'injustice. Tu n'aimes pas voir les gens pleurer, souffrir. Tu aimes aider les autres. Tu aimerais tellement aider les pauvres, tellement aider les démunis, les rejetés, tout ça là. Tu n'aimes pas le racisme, tout ça là. Quand tu n'aimes pas voir la différence, tout ça là. Et le Seigneur te dit, je vais essuyer tes larmes par rapport même à ta famille, hein, là où il y a des troubles, des problèmes, tout ça, problèmes, maladies. Le Seigneur te dit, je veux me révéler à toi. C'est moi qui t'ai attiré ici, là. Je veux me révéler à toi comme un père, tout ça là. Le Seigneur va être ton papa, là, tu sais. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Il te dit, au nom de Yeshua, alléluia, tu vas beaucoup voyager dans les pays pauvres, jeune fille, pour aller aider les pauvres, tout ça là, les orphelins, tout ça là. Au nom de Yeshua, viens ici, là. Le Seigneur t'aime beaucoup. On acclame le Seigneur pour elle, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Oh, Dieu de gloire! Dieu est magnifique. Élevé partout les peuples, acclamant pour la torée. Oui, je le vois. Je te connais.
C'est la première fois que je te vois, mais Dieu parle avec précision pour te montrer à quel point il existe, à quel point il te connaît. Tu vois la méchanceté des hommes, tu vois la méchanceté des hommes, et le Seigneur t'aime, le Seigneur te connaît, le Seigneur t'aime. Quand tu ouvres ton cœur à un homme, quand tu aimes, tu aimes. Et le Seigneur te dit, je veux maintenant que tu m'aimes. Je veux remplir ton cœur de mon amour, ma fille, ma fille. Beaucoup de choses t'ont révolté, beaucoup de choses te fatiguent, tout ça là. Et tu aimerais tellement changer autour de toi, changer les choses autour de toi, mais les moyens te manquent et tout ça là. Tout ça, tu te sens parfois impuissante, tout ça là. Et face au problème, tout ça, le Seigneur te dit, c'est moi qui t'ai attiré ici. Je te parle avec précision pour te montrer à quel point je t'aime, à quel point je te connais, au nom de Yeshua. Et tu vas beaucoup voyager pour moi si tu restes dans ma parole, au nom de Yeshua. Alléluia. Je te vois beaucoup voyager en Afrique, beaucoup voyager dans les pays pauvres, aux Antilles, tout ça là, au nom de Yeshua. Alléluia. Comme une femme qui défend la cause des pauvres, tout ça là. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Avec plein de petits des enfants là que Dieu va te donner, tout ça là, au nom de Yeshua. Un des petits métis là que Dieu va te donner. Oh, my God. Alléluia. Jesus Christ. Alléluia. C'est magnifique. Sois fortifié, sois béni au nom de Yeshua. Waouh, Dieu est magnifique, frères et sœurs. Ouh, mais Dieu est terrible, hein? Dieu existe. Hein? Waouh, Jesus Christ, c'est réglé, tu peux rentrer, c'est bon. Ceux qui veulent le baptême aujourd'hui, courez ici. Ceux qui veulent le baptême, on acclame le Seigneur pour eux. Waouh! Alléluia! Jésus est Seigneur! Alléluia! Waouh! Regardez la jeunesse là! C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique. Regardez-moi ce que Dieu fait là. Regardez l'œuvre du Saint-Esprit. Regardez l'œuvre du Saint-Esprit. Vous ne voyez pas qu'il se passe des choses ici là. Oh mon Dieu, jeune homme, que Dieu soit béni. Sois le bienvenu dans notre royaume. Oh jeune fille, jeune femme, que Dieu soit béni. Oh mon Dieu, toi aussi. Amen. Oh Dieu de gloire. Alléluia. Ça va aller, c'est bon. Regardez l'œuvre de Dieu. Ouh, magnifique le Seigneur, magnifique le Seigneur. Mais ça c'est trop fort. Vous voyez tout ça, la frère et soeur. Qui peut faire ça, Aurélie? Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Vous voyez, tout le monde entre dans l'arche. Car c'est l'heure, c'est le temps. Alléluia! C'est magnifique, Aurélie. Regarde-moi tout. Dieu nous a promis, ça c'est que les prémices de ce réveil. Des enfants, noirs, chocolat, blanc, noir. Tout. Vous voyez, vous-même, vous voyez. Qui peut toucher des jeunes comme ça là? Des personnes, des mamans, papas, enfants, bébés. Qui peut faire ceci? C'est moi? Qui? Qui? Qui guérit les gens de leur prostate? Est-ce qu'on peut lui faire un bisou? Mouah! Papa, prends ce bisou-là. Mouah! Alléluia! Encore, un câlin. Mouah! Ouh! Wow! Je comprends pourquoi on est critiqué. Tout ça là, c'est normal que Satan soit enragé. Ouh! On nous a dit, non, la France est un pays dur. Qui vous a dit ça? Oh, les jeunes Français ne peuvent pas être touchés, les jeunes Africains, tiers. Qui vous a dit ça? Oh, les jeunes Arabes, qui vous a dit ça? Mensonge. Dieu est tout puissant. Ça me fait plaisir de te revoir. Sois fortifié. Je me disais, mais allez passer parole. Ah, que Dieu soit béni. Ouh! Frère, vous voyez vous-même, vous voyez vous-même. Les mamans, vous qui avez des enfants, regardez l'œuvre que Dieu fait. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Je suis plus heureux quand je vois des conversions, des repentances, que quand j'ai des miracles de guérison, tout ça là. Ça là, vous devenez membre du royaume de Dieu. Ça veut dire que pendant l'éternité, nous allons
rester avec notre papa céleste. Nous allons manger des pommes célestes. Des bananes célestes. Ouh! Rappelez-vous bien de ce jour. Je vous le rappellerai ce jour-là. Quand je vous inviterai devant un bananier là-bas, là, je vais prendre ma grosse banane comme ça sur l'épaule. Hein? Je vais vous inviter sous cet arbre-là. Venez, on va manger ensemble. Vous allez voir. Hein? Alléluia. Vous vous rendez compte que vous allez voir la face de Dieu comme ça. Ouh, ses yeux comme ça là-dedans. Face à face. Bonjour papa. Bonjour mon enfant. Ça va être magnifique. Ouh. 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 C'est trop fort. Magnifique. 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 Quand vous voyez les enfants se lever pour servir le Seigneur, pour suivre le Seigneur, il n'est plus loin là. C'est qu'il n'est plus loin. Regardez, regardez. Filmez ces gens pour que ceux qui sont chez eux aussi glorifient le Seigneur avec nous. Waouh! Ton nom est la solution. J'ai. Alors, Aurélie qui est là, qui pleure parce qu'on est touché, même moi je pleure. Et alors tu pourras baptiser les femmes, les jeunes filles, oh Seigneur, magnifique. On va vous aller, tu vas trouver un frère. Alors suivez Aurélie. Oh alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Toi aussi? Toi aussi? Viens. Venez, je prie pour vous. C'est bon. Toi aussi? Alléluia, gloire à Dieu. Oh. Il n'y a pas de mots. Non. On ne sait plus quoi dire. Honnêtement. Beaucoup de gens nous envoient des courriers du monde entier. Et on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? De taille de courrier, tiens, par rapport à la Bible, des personnes nous ont envoyé des mails, plusieurs personnes du Japon. C'est des personnes qui vont arriver bientôt pour se former à Didasco. Du Japon, mon frère Alain. C'est tout simplement... Il y a tellement de critiques et des frères et sœurs se disent « Non, laissez-nous, on ne va plus tomber dans la distraction, laissez-nous. » Regardez ce qui se passe vous-même, frère. Et qu'est-ce qui va se passer après? Le 19 décembre. D'abord, est-ce que vous savez que le 15 août, nous avons une nuit? Le 14, pardon. À partir de... La salle sera ouverte, pas ici. Harry sera juste, on vous donnera les coordonnées. À partir de 14h, la salle sera ouverte. Si vous voulez venir plus tôt pour intercéder, prier, c'est vous. À 18h, 19h30, le programme commence. Ça sera aussi en direct. On a dit que c'était la jeunesse. Mais quand on dit que c'est la jeunesse, c'est le vent. Les gens se disent, non, achetez le temps. Car les jours sont mauvais. On est tous jeunes. Moi, je vous dis. Parce que quand on dit la jeunesse, beaucoup disent, lui-même, il n'est plus jeune. Donc, voilà, tous les jeunes en Christ. De 18h30, 19h au lendemain. Amenez votre bouteille, votre casse-croûte, tout ça là. Et voilà. Je ne sais pas ce qui va se passer. Si vous avez des cantiques à chanter ce jour-là, il n'y a pas de souci. Des chants, il n'y a pas de souci. Toute la nuit, on sera là dans la présence de Dieu. Le minibus de vie va chercher les gens à la gare de Ris-Orangis ou d'Orangis Bois de l'Épine. On vous donnera toutes les coordonnées. Au nom de Yeshua. Demain dimanche, nous sommes à Chartres.
avec notre frère Nito. Donc l'adresse sera sur le site de TV de Vie. Le 19 décembre, nous sommes où? On aura les programmes ici, hein, auront fini. On va arrêter ici. Le 19 décembre, nous sommes à Sarcelles. La salle sera ouverte à partir de midi. Alléluia. Mais il faut s'organiser. D'ailleurs, voilà, parce que les frères et sœurs se préparent depuis les nations. Et je ne vous cache pas que Dieu nous fait découvrir beaucoup de choses par rapport à cette révision. Énormément de choses. Et on a déjà fait plusieurs livres. On arrive à la fin. Je vous assure, Dieu nous surprend. Et il se trouve qu'il y aura plus de 10 000 exemplaires. Ouais, on peut acclamer le Seigneur de gloire, frères et sœurs. Ouais, j'arrive, ouais. Il y aura plus de 10 000 exemplaires. Pourquoi? Parce que nous avons dépassé de plus de 13 000 euros. On avait dit aux gens d'arrêter d'envoyer de l'argent par rapport à la Bible parce qu'on avait la somme qu'il fallait. Mais beaucoup se disent, vous avez dit d'arrêter, ça c'est votre problème. Nous continuerons. Et c'est pour cela que nous avons débordé à l'heure actuelle de plus de 13 000. Je ne sais pas, David, s'il peut nous donner plus de précisions, David. 13 000 hein? 13 050. Donc, et ça continue, ça c'est, on laisse Dieu faire son œuvre. Donc ça fait en tout 96 950 en 7 mois et demi, 8 mois. Dieu nous étonne. Il y a des gens qui disent, non mais c'est, frère, l'œuvre que Dieu fait, personne ne peut l'atteindre. Oh, hein? Ces 10 000 exemplaires seront livrés ici à Évry, mi-novembre. Comme je sais que tu as des difficultés avec les calendriers, donc vers la mi-novembre, je viendrai te voir, puis je te dirai, dis donc, Chora, c'est le 19, aujourd'hui c'est le 19 décembre. Alors rassurez-vous, nous n'allons pas vous dévancer. Comme Paul a dit, nous qui sommes vivants, nous n'allons pas dévancer les morts. Donc, mi-novembre, une fois que ces Bibles seront livrées, nous allons attendre tous le 19. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'injustice. Mais moi-même, je vais me forcer. Alléluia. Donc, on va attendre le 19. Le 19 décembre, avant, donc dès qu'on arrive, quand tout le monde sera là, avant l'enseignement, on va louer, on va chanter, chacun va interpréter des chants. Si vous avez des cantiques, préparez-les, vous pouvez aller venir chanter. Il ne devrait pas de problème. Et tout le monde le fera. Donc, on va s'organiser. Et les frères et sœurs qui vont la distribuer, cette Bible, porteront un vêtement, un t-shirt, 100% Jésus, 100% gratuit. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Hein? Vos Bibles? Vous pouvez venir avec Bobby, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, chacun aura sa Bible. D'accord? Gloire à Dieu. Oui. Hein? Je n'ai pas entendu. Tu as un message par rapport à la Bible? On peut donner le micro là-bas, là où tu n'as pas de problème. Donc, Dieu est bon. Les jaloux, beaucoup de jaloux disent non, ils ont mangé l'argent du pain quotidien. C'est faux. Moi, manger l'argent du Seigneur, je ne sais même pas comment le pain quotidien gère les finances là-bas. Beaucoup de jalousie. On avance. Dis à ton voisin, on avance. Gloire à Dieu. Le Seigneur permet que les personnes continuent à envoyer de l'argent pour la Bible. Parce que des prisons ont demandé des Bibles. Des gens qui sont en prison ont demandé au Seigneur la Bible. C'est pour ça qu'il permet ça. La prison de Fresnes sera touchée. Gloire à Dieu. Tu vois, très honnêtement, je n'avais même pas vu ça comme ça.
Donc du coup, donc, on aura une partie hein, pour les prisonniers. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Gloire soit bénie. Alors, Dieu est magnifique. En 8 mois, il nous a donné déjà 96 950 euros. Et il n'y a que Dieu qui peut faire ça. La dernière fois, avant-hier, je suis allé ouvrir la boîte aux lettres. Je voyais un courrier, il y avait 500 euros d'une sœur de la Guyane. Elle a dit, voilà, voici ma participation. Des gens de Tahiti qui envoient, des gens de toutes les nationalités qui envoient, des nations qui envoient. En 2 jours, on a eu 2000 euros, deux frères ont envoyé chacun 1000 euros. On se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Très honnêtement, je n'ai jamais vécu ces choses-là. Je suis émerveillé, dépassé chaque jour par l'œuvre que le Seigneur fait. Et c'est pour cela, frères, sœurs, tous ensemble, nous devons nous unir. Fermer nos oreilles, n'est-ce pas? Fermons nos oreilles aux critiques. Avançons. Vous savez, quand Néhémie reconstruisait les murailles de Jérusalem, il avait, n'est-ce pas, l'épée d'une main et les outils de l'autre. Et il travaillait. C'est ce qu'il faut faire. Après le 19, comme on ne sera plus ici pour les programmes, on va reprendre les missions aux Antilles, Guadeloupe, Haïti, Martinique, tout ça, Saint-Martin, Réunion, Madagascar, Maurice, tout ça. Et voilà, toutes les îles, comme on vous l'a dit. On va faire toute l'Europe, on va, par la grâce de Dieu, la Tunisie, le Maroc, la Kabylie, tout ça là. L'Afghanistan, tout ça là. Le Havre, alléluia, gloire à Dieu. La Guadeloupe, tout ça là. Voilà. Donc on va essayer de tourner comme ça pour crier. Pour crier, crier, crier. Et ensuite, comme on ne sera plus ici et qu'on va tourner, le Seigneur veut que partout où il va nous envoyer, que nous partions avec le matériel de vœux de vie, pour que les frères et sœurs, comme c'est souvent le cas, comme aujourd'hui, puissent suivre aussi les enseignements ici et là. Et c'est dans ce cadre-là, justement, frères et sœurs, que nous sommes en train de renouveler le matériel de vœux de vie. Et on en a parlé avec les frères et sœurs hier. Donc, et comme vous le savez, vous nous connaissez, on ne travaille pas pour l'argent. On n'aime pas prêcher sur l'argent. Nous voulons prêcher sur Christ, son retour, la croix. Et nous ne sommes pas du tout là pour condamner les pasteurs, pas du tout, parce qu'on n'est pas mieux qu'eux. Les vrais pasteurs, les vrais enfants de Dieu, les vrais ministères, apôtres, prophètes, reconnaissent la vérité et la voix du Seigneur et ensemble, on avance. Et voilà, donc, on veut vraiment renouveler le matériel parce que c'est ce que l'on a et ça abîme. Ça fait quelques temps qu'on a ce matériel. Et ce que Dieu mettra dans vos cœurs, n'est-ce pas? On va, parce que dès mardi, ce mardi, on va pouvoir aller, des frères iront dans un magasin pour faire le point et voir ce qu'il y a à prendre. Qui sont ceux qui sont bénis par tes vœux de vie? On est nombreux. Nombreux. Si on devait payer Dieu par rapport à tout ce qu'il nous donne, on ne le pourrait pas. Voilà. On ne le pourrait pas. Donc, Dieu nous guérit, Dieu nous sauve, il nous restaure. Et quand il nous met à cœur des visions, on vous les partage à chaque fois. Et dans la liberté, chacun essaie de faire ce qu'il peut. Amen. Donc, voilà pourquoi on va, les offrandes d'aujourd'hui, ça sera pour prendre ce matériel. Et que Dieu vraiment vous garde et qu'il nous encourage pour l'œuvre qu'il nous a confiée. Vous êtes... Qui aime le Seigneur? Soyez fortifiés, bénis. Gloire à Dieu. Et ceux qui ont des problèmes, qui veulent vraiment partager, discuter avec des frères, il n'y a pas de problème, des ministères sont là pour vous encourager, pour vous fortifier. Soyez bénis dans la paix du Seigneur, au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. Ah, la guérison.